Bonjour monsieur, bon après-midi et bienvenue à ce programme du samedi. C'est le talk show qui vous permettra d'être en phase avec l'actualité. Et cette semaine, au Paris Tendance, nous avons retenu pour vous quelques sujets qui vont meubler notre échange ici avec nos invités. Quatre sujets principalement sur lesquels nous ne manquerons pas d'émettre des avis, mais également de commenter au regard de la plénitude et de l'accompagnement que nous avons à vous permettre de mieux cerner les sujets qui ont meublé votre semaine. Et parmi ces sujets, on le sait, elle est passée de vie à trépas, encore en exil. Elle, c'est l'ex-première dame du Cameroun, Germaine Habiba Ahidjo, qui est donc passée de vie à trépas. Je rappelle, elle était au Sénégal à la suite de l'expulsion de son mari d'une façon ou d'une autre. Elle avait suivi et celui-ci s'était réfugié au Sénégal. Il est d'ailleurs décédé le 30 novembre 1989. Et le 20 avril 2021, c'est au tour de Germaine Habiba Ahidjo de tirer sa révérence et donc d'être inhumée aux côtés de son époux au cimetière de Grand-Yoff, c'est à Dakar au Sénégal. Son rêve de voir rapatrier au Cameroun la dépouille de son époux ne sera donc pas une réalité, cela restera une utopie et elle mourra avec ce rêve qui ne passera pas de l'utopie à la réalité. Autre actualité, toujours dans la tristesse, c'est le décès tragique du maréchal Idriss Déby Itno, le président réélu du Tchad. Une perte pour l'Afrique. C'est un panafricaniste qui tire ainsi sa révérence. Il a reçu les hommages de la nation tchadienne, mais également du monde entier. C'était ce vendredi au cours d'une cérémonie officielle présidée par le président du Conseil militaire de transition. Par ailleurs, son fils, le général de corps d'armée, Mahamat Idriss Déby, le fils de l'autre qui prendra la tête du pays, sa nouvelle homme fort, mais au-delà, quels sont les enseignements à tirer, même les conséquences du décès du maréchal Idriss Déby Itno pour la sous-région Afrique centrale, Afrique Sahel, l'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour le continent noir dans ses relations avec le monde occidental. On le sait également, depuis le 1er avril 2021, une vaste campagne a été lancée par certains partis politiques de l'opposition en vue de la modification du code électoral. Ces partis politiques appellent les autres acteurs de la société civile, les autres formations politiques à se prendre à eux pour justement apporter des contributions qui permettraient d'avoir une mouture définitive qui pourrait contraindre le régime en place de mettre en place un véritable processus électoral clair, transparent et qui garantisse la crédibilité du scrutin, principalement pour les élections à venir. C'est le challenge lancé par ces formations politiques qui ont dû reporter une première fois, puis une deuxième fois, les délais de réception des contributions de ces acteurs politiques, mais également de la société civile, que cachent ces nombreux reports. Mais cette opposition enrancée peut-elle retourner la balance en leur faveur et en défaveur du parti au pouvoir et même du régime en place? La question va également nous accompagner dans le cadre de cette émission de tous azimuts. Nous sortirons avec la problématique des droits de l'homme. Le Cameroun est-il un mauvais élève en la matière? La question reste posée au lendemain de la publication d'un nouveau rapport sur les droits de l'homme, rapport qui implique d'ailleurs le Cameroun comme étant un état de non-droit, un état autoritaire, un état dictatorial. C'est donc ce qui est issu de ce rapport qui a été porté devant la scène par Stand Up for Cameroun. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui nous accompagne au cadre de ce programme de tous les amis de ce samedi. Quatre sujets majeurs sur lesquels nous reviendrons avec nos invités. Je rappelle que le programme se veut être interactif. LTM TV officiel, c'est sur notre page Facebook, sur ce réseau social-là, mais également 696 14-03-12, c'est l'autre d'accès qui vous permet ainsi de pouvoir nous envoyer soit des SMS classiques ou encore des messages WhatsApp avec lesquels nous échangerons le moment venu dans le cadre de ce programme. Tous azimuts, mesdames et messieurs, tous azimuts, ce sont de nombreux sujets, mais également de nombreux invités. Tout de suite pour la présentation de ce panel.
Nous revenons sur le point de l'administration pour justement nos invités qui sont confortablement installés et parmi eux, les représentants de la formation politique de l'opposition qui jusqu'ici n'a pas donné sa position au niveau, par exemple, de la promesse de la modification de la constitution et du code électoral initié par certaines formations politiques. Et ce soir, on aura l'assurance d'avoir cette réaction-là. Cette formation politique AFP est représentée par Paul Eyoum. Bon après-midi pour vous. Bon après-midi, Frédéric Métomer. Bon après-midi à tous les millions de téléspectateurs du programme Tous Azimuts sur LTM. Heureux d'être là ce soir. Merci à vous, Paul Eyoum, de nous accompagner dans le cadre de cette émission de ce samedi après-midi. J'espère que l'AFP se porte bien, même si on a du mal à savoir ce qu'on avait véritablement de. Vous avez annoncé votre, le congrès, mais qui tarde à se mettre en place. Il y a eu vraiment une réunion du bureau national de l'AFP. Nous avons arrêté le programme, la convention arrêtée pour le mois prochain. Ça aura lieu en mai, précisément le 24 mai, si je ne me trompe pas, le samedi 24 mai, il y aura la convention de l'AFP le mois prochain. Donc le bureau s'est réuni hier pour définir tout ce qu'il y avait à mettre dans le contenu de cette convention. Je crois que ce sera une occasion d'apporter une nouvelle solution politique au Cameroun. Merci beaucoup à vous, Paul Eyoum, autour de cette actualité. Autre acteur politique à vous accompagner, c'est le représentant du précisément Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, Paul Valéry Diokoufi. Cet après-midi, bon après-midi à vous, Paul Valéry. Bon après-midi, Frédéric Moutomet. Je dis bonjour à tous vos téléspectateurs. Je veux par la même occasion profiter pour dire bonjour à mes camarades otages de cette dictature qui aujourd'hui coupissent dans les geôles de ce régime. Donc je leur envoie un bonjour particulier et je leur souhaite beaucoup de courage. Merci à vous également. Il y a une actualité au sein du MRC, c'est la sortie récente de notre président national autour de survie, Cameroun, savoir l'initiative, les fonds de travail. Du rapport qui a été commis autour de ça, qui d'ailleurs a été mené par un consortium, il n'y a pas eu de détournement. Je pense que vous avez dû écouter cette initiative relève de la seule compétence du président national. Il peut solliciter le siège du parti qui peut être mis à disposition pour un tout autre événement que cette conférence de presse. Donc je pense qu'il s'est très bien exprimé, il a été clair là-dessus. Donc il a agi en tant que citoyen camerounais. Ce n'était pas une action initiée par le MRC, ni par le président du MRC. Donc, et il a bien, je pense qu'il a été très clair. Il a suivi le nom de tout le monde. Non, vous avez suivi comme moi. Et vous voyez, en fait, c'est cette culture que les Camerounais doivent s'approprier aujourd'hui. La culture du compte rendu. N'est-ce pas, de chaque action posée. Voilà. Donc, nous avons des actions ici qui n'ont jamais connu de dénouement. On nous a toujours... on a commandé des enquêtes. Mais voilà une initiative qui a été commandée par le professeur Maurice Kamto. Il y a eu un premier, audit qui a été effectué. Ce n'était pas satisfaisant. Il a fallu, n'est-ce pas, commander d'autres audits qui ont été faits, et c'est le compte rendu qui a été fait par le président Maurice Kamto récemment. Merci pour Valérie Dioko du MRC. D'autres acteurs politiques sont avec nous dans le cadre de cette. Avec eux également, nous ferons autour des problématiques pour la table du débat. Et parmi les représentants, et notamment du PCRN, le Parti Camerounais pour la Constitution nationale, Pascal Moïse de Toug est avec nous cet après-midi. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Frédéric. Je salue mes copanélistes et je vous remercie de m'avoir invité sur le plateau tout en saluant vos nombreux téléspectateurs. C'est un thème qui est honoré, mais davantage, le PCRN se porte bien. Très bien, très bien. Il y a une certaine mobilisation, je veux dire, on entend parler de la conquête des Camerounais, de l'électorat, pour qu'ils s'intéressent davantage à la chose politique. Et vous devez encore le faire. Vous savez, s'il y a une caractéristique, il faut coller au PCRN, c'est bien sa présence sur le terrain. Nous sillonnons le terrain et le terrain est pratiquement notre cours.
quotidienne. Donc le terrain, c'est notre credo, c'est notre mission. Merci beaucoup à vous, Pascal Nouveau, du PCRN. Et puis un autre acteur est avec nous cet après-midi, c'est notamment le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le président Pépus, ça fait un moment qu'il était parmi nous, mais il nous revient avec un grand sourire, une très belle santé, et lui c'est Anissa Dupré-Ximani. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Frédéric, et bon après-midi à 20 millions de téléspectateurs à travers le monde, à travers notre pays. Et surtout, bon après-midi à mes copanélistes. La relation du sommet politique est définitivement chez nous, elle est toujours en cours. C'est en cours, vous savez, il y a plusieurs étapes dans ce vaste processus qui est aussi un processus de mobilisation, n'est-ce pas, de la base électorale de notre parti, ou aussi de la base sympathisante de notre parti. Donc, en ce moment, nous sommes en train de boucler cette vaste opération qui a débuté il y a pratiquement 2 mois déjà, et nous espérons boucler avec ça dans les prochains jours, comme l'a signifié le secrétaire général du comité central qui est à la tête de cette grande initiative, qui pour nous est un exercice, qui a lieu tous les 5 ans. Merci à vous, du PXMAMI. Nous restons avec vous pour entamer cette émission principalement autour du débat. Germaine Aïdio, forcément, c'est un nom qui évoque pas mal pour vous. Elle est partie pour l'éternité définitivement, mais elle est décédée en exil. C'est un peu comme une histoire inachevée pour les Camerounais, pour vous également. Qui avait, d'une façon ou d'une autre, connu son défunt époux. Comme l'a si bien dit le chef de l'État, qui est aussi président de mon parti politique, il a connu personnellement cette dame. Il a évoqué dans sa lettre de condoléances à la famille Aïdjo que cette dame avait une puissance, n'est-ce pas, de caractère, elle avait un caractère très fort, très, très trempé. Et surtout, il a souligné, n'est-ce pas, le rôle qu'elle a joué aux côtés de son époux, n'est-ce pas, pour le rayonnement de notre pays à travers le monde. Maintenant, si vous vous mettez avec quand même nuancer ce que vous avez dit, Germaine Aïdjo n'est pas morte en exil. Il faut bien que je sois bien clair dessus. Jamais Germaine Aïdjo n'a été exilée ni condamnée au Cameroun. C'est son mari qui était condamné. Elle a juste accompagné son mari dans son exil. Mais elle pouvait rentrer quand elle voulait dans notre pays. La preuve est que sa fille Aminata travaille au Cameroun, travaille comme présidente du conseil d'administration d'une entreprise au Cameroun. Le fils aîné d'Aïdjo, Mamadou Aïdjo, il est député du RDPC, il a été maire RDPC à Garoua-Pénier, il est député du RDPC et surtout il est ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Sans oublier que la cadette Aïssatou Aïdjo, elle est permanemment ici à Douala et elle siège au conseil d'administration de la société hôtelière du littoral, qui est une entreprise qui appartient à l'État du Cameroun. C'est pour vous dire clairement que c'était de son fait. Et c'est pour ça que le chef de l'État, dans ses condoléances, a rappelé une chose très importante, à savoir que cette dame avait un caractère très trempé. Elle est restée dans sa position d'accompagnement de son époux en exil, alors que son époux, en 1990, avait bénéficié de la loi de l'amnistie totale qui concernait le fait pour lequel il avait quitté le Cameroun en 1984. Donc, elle est partie en exil d'elle-même et non exilée par le Cameroun. En aucun cas, elle a été chassée du Cameroun. Je dis bien, en aucun cas. C'était l'exil volontaire. Personne l'a envoyé à l'extérieur et lorsque le chef de l'État avait été questionné sur cette question en 2009, dont sur vos confrères de France 24 et de RFI, il a été clair là-dessus. Madame Aïdjo n'a jamais été chassée du Cameroun. Elle peut revenir quand elle veut du Cameroun. D'accord. Alors, voilà. Paul Eyoum, Germaine Aïdjo, c'est un nom, aujourd'hui c'est dans l'histoire du Cameroun. Elle était première dame de notre pays, elle s'en est allée. Dupré-Ximani précise qu'il n'est nullement question d'exil pour Madame Aïdjo, mais elle portait un combat, celui de voir rapatrier au Cameroun le reste de son défunt époux. Ce rêve n'est jamais malheureusement passé en réalité.
Effectivement, Germaine Ahidjo, le combat, le dernier combat qu'elle avait dans sa vie, c'était de voir la dépouille de son mari, son feu mari, venir au Cameroun. Malheureusement, elle s'en est allée et cela ne s'est pas réalisé. Et le président de la République avait répondu qu'il s'agissait d'une question familiale. Pourtant, la famille, de son côté, exigeait les obsèques officielles en tant que premier chef d'État du Cameroun, ce qui est naturel. Donc, la famille Ahidjo, puis le cas de Mme Germaine, parce qu'il ne faut pas mélanger les enfants et Mme Germaine. Les enfants, tout le monde voit clairement qu'ils ont fait leur choix. Mme Germaine Ahidjo a dit tant qu'il n'y a pas d'obsèques officielles, un retour officiel, pour la dépouille du président Ahidjo, elle ne retournera pas au Cameroun. C'était sa position et elle est restée dessus jusqu'à la fin de ce jour. Maintenant, le gouvernement camerounais, je crois que c'est le moment ou jamais de revoir cette affaire et de rapatrier non seulement la dépouille du président Ahidjo, celle de son épouse et même celle d'autres Camerounais qui sont étrangers, les Mounis et tous les autres. Parce que l'histoire du drame, je vais appeler ça comme ça, le drame Ahidjo, c'est simplement l'image qui montre que jusqu'à présent, d'ailleurs peut-être on va parler du Tchad tout à l'heure, en Afrique nous n'avons pas encore réussi à nous bâtir les institutions. Je ne connais pas un pays en Occident où la dépouille d'un chef d'État est à l'étranger. Ce n'est pas concevable. Parce qu'un chef d'État, il appartient au patrimoine national. Donc la chose la plus normale, ce serait que le président Ahidjo repose sur cette terre. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle a mené son combat, elle a eu ses positions, elle est restée sur ses positions. Nous saluons sa mémoire et nous disons que le gouvernement camerounais mette fin à cela et qu'on ramène les dépouilles de ces personnes au Cameroun. Alors, un combat, rapatrier les dépouilles à la fois d'Amadou Ahidjo, le tout premier président du Cameroun, sa première dame, ex-première dame du Cameroun, Germaine Habiba Ahidjo, qui est décédée le 20 avril dernier et qui a été inhumée mercredi, quelques heures après, aux côtés de son défunt mari, au cimetière de Grand Yoff, c'est dans la capitale du Sénégal, Dakar, Pascal Moïse Touk. Est-ce qu'on peut estimer que Germaine Ahidjo décède dans des conditions acceptables? Est-ce qu'on n'est pas un peu... Parce qu'au-delà du combat sur le rapatriement de la dépouille de son époux, elle demandait également qu'elle puisse bénéficier de tous les accessoires et de tous les honneurs dus à une première dame en raison de ce qu'elle a été l'épouse du tout premier président du Cameroun. Bien entendu, Frédéric, parce que le statut, déjà, son statut de première dame du temps vivant de son mari pouvait lui conférer ce droit. Et ça a été d'ailleurs l'objet d'une requête par émise par aucun de... Sans vous couper, il n'y a pas de statut de premier dame, comme les États-Unis. J'ai dit que pouvait lui conférer ce droit. Et je me rappelle, puisque j'y étais, que ça a été d'abord l'objet d'une requête émise notamment par des femmes très connues de la scène politique du Cameroun, telle que Ariette Ekwe, qui en avait appelé on va dire, à une reconnaissance officielle de la part de l'État du Cameroun du statut dont elle aurait pu, n'est-ce pas, jouir. Bon, mais au-delà de tout ça, nous retenons surtout l'image d'une dame qui est restée attachée aux valeurs familiales. Elle n'a pas voulu abandonner la dépouille, on va dire la sépulture de son mari, pour laquelle elle avait toujours appelé à un retour au Cameroun, sa terre natale, et à des obsèques officielles sous fond de réhabilitation. Donc, nous retenons d'elle l'image d'une dame qui sera restée attachée à ses principes, qui n'aura rien lâché, qui n'aura pas du tout donné, qui n'aura pas du tout lâché du lest, et pourra toujours rester campée sur ses principes. Alors, elle reste campée sur ses principes. Est-ce que le gouvernement camerounais doit pas aujourd'hui se mordre les doigts, voir à la fois le premier président du Cameroun, mais aussi sa épouse, aujourd'hui défunte, être inhumée en exil? Même si le mot exil ne semble pas faire plaisir à ces députés sur le plateau, rester hors du Cameroun, pourtant, ce sont des Camerounais dans la plénitude, devraient pouvoir être enterrés au Cameroun, inhumés au Cameroun. Alors, ça a été initié, mais elle n'est pas allée au-delà. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas pu pratiquement anticiper avant ce moment et voir finalement Germaine Ahidjo et Amadou Ahidjo reposer ici au Cameroun? Oui, déjà, je vais ici saluer la mémoire de cette grande dame qui a été la première dame du Cameroun. N'est-ce pas, elle a partagé la vie
de notre premier président. Je pense aux 22 années passées à la tête du Cameroun, c'était pas chose aisée. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne l'est pas. Alors, savoir si le gouvernement aurait pu, il n'a pas tout simplement voulu. J'ai entendu tout à l'heure mon ami Mani nous dire ici qu'elle était libre de pouvoir entrer au Cameroun. Je me demande bien comment. C'est le Cameroun qui lui a retiré ses papiers, n'est-ce pas, pendant qu'elle était en exil, il faut le dire, parce qu'il faut qu'on m'explique comment la faisabilité de ce que son mari peut être au pôle Nord et qu'elle se retrouve en plein hémisphère sud. Elle était en prison, mais sa femme était au Rwanda, par exemple. Oui, j'apprécie bien l'exemple. Ça montre, ouais. ça démontre à suffisance l'état d'esprit de ce régime. J'apprécie, ça démontre à suffisance l'état d'esprit dans lequel ce régime compte diriger les Camerounais, c'est-à-dire séparer les familles, n'est-ce pas, mépriser les Camerounais, comme il le fait. Aïdjo, comme on dit pour les Yous, un patrimoine du Cameroun. Il n'appartient plus à sa famille. De même que Paul Biya aujourd'hui. Ne serait-ce que ça. Et je reviens sur ce qu'il disait. Nous devons nous doter d'institutions fortes pour ne plus vivre, pour ne plus avoir, n'est-ce pas, à vivre cela. Jamais Naïdjo n'a pas à supplier pour revenir au Cameroun. Non. Ce gouvernement, s'il voulait que le premier président du Cameroun soit inhumé au Cameroun, il aurait simplement fallu qu'il fasse revenir la famille d'Aïdjo au Cameroun, qui fasse revenir la dépouille d'Aïdjo au Cameroun, qui lui accorde des obsèques officielles, car il en a droit. Il a été président du Cameroun. Fut-il premier ou dernier président, il a été président du Cameroun. Il appartient au Cameroun d'organiser des obsèques officielles pour honorer la mémoire, n'est-ce pas, de cet illustre disparu. Donc, je me demande bien comment elle allait revenir au Cameroun, ça j'ai entendu. Le Cameroun lui a retiré ses papiers. Je cite, hein, c'est elle qui l'a dit, c'est le Cameroun qui nous a retiré nos papiers, c'est au Cameroun de nous rendre nos papiers. S'il fallait laisser passer les autorités camerounaises au Sénégal, aurait pu, n'est-ce pas, faciliter les choses, mais je suis d'accord avec elle, elle est restée digne, n'est-ce pas, et je pense qu'elle a beaucoup appris sur ce plan-là, de ce côté-là, aux côtés de son mari, elle est restée digne, elle a exigé, et ça, elle n'avait pas à le faire, et si les Camerounais n'avaient pas été suffisamment lâches comme ils le sont aujourd'hui, on se serait levé tous comme un seul homme, que ce soit du RDPC, que ce soit de l'AFP, ou du MRC, ou encore du PCRM, et exigé, n'est-ce pas, ces obsèques officielles du premier président du Cameroun. Alors maintenant que son épouse est décédée, peut-on s'attendre à ce que les enfants qui sont là aujourd'hui et qui ont fait le choix de servir le Cameroun dans le régime en place, le régime qui a suivi celui de leur papa, vivre le rapatriement, même s'il n'y a pas ces obsèques officielles, vivre le rapatriement des deux dépouilles. Je suis désolé, hein, servir le Cameroun et se servir, c'est deux choses bien différentes. Vous avez bien remarqué les exemples des enfants idiots qui sont revenus au Cameroun. Et c'est parce qu'ils sont dans le RDPC qu'ils ont pu, n'est-ce pas, être rétablis dans leurs droits, entre guillemets. Je suppose que si Aminatou avait été du MRC, je ne suis pas sûr, s'il vous plaît, monsieur Mali, je ne suis pas sûr qu'elle aurait bénéficié des mêmes passe-droits qu'aujourd'hui. Elle n'aurait certainement pas été PCA de l'Assemblée nationale, du Congrès, autant pour moi. Son fils n'aurait jamais été maire s'il était venu militer au sein de l'AFP ou du PCA. Non, nous ne nous trompons pas. Il a servi le Cameroun et se servir. Donc, si aujourd'hui le gouvernement camerounais pense qu'il est utile, n'est-ce pas, pour les Camerounais d'offrir des obsèques officielles à notre premier président, je pense qu'il est temps de prendre son bâton de commandement et de dire, écoutez, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'on aurait dû faire, on demande pardon aux Camerounais, voilà ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite, immédiatement, pour restaurer la mémoire collective du peuple camerounais à travers Madoïdjo et son épouse de femme? L'urgence, et c'est ce à quoi nous en avons toujours appelé, le président, l'honorable Kadal Libi, président national du PCRM, a toujours appelé à un retour du vivant même de la défunte Germaine, à un retour de la dépouille de son époux au Cameroun. Et maintenant, 32 ans après, elle aussi vient de là.
il serait vraiment temps maintenant pour le régime de Yaoundé, n'est-ce pas, d'engager, d'amorcer des démarches pour pouvoir faire revenir la dépouille des deux illustres, cette personnalité de l'histoire du Cameroun, au Cameroun, sur le territoire. Il faut rapatrier les dépouilles d'Amadou Ahidjo et de son épouse, les deux décédés à Dakar au Sénégal. On a vécu une immersion de son épouse hein, dans la stricte intimité familiale. Au-delà de cela, pour les Youm, Jamil Ahidjo et Pouvia doivent-ils peut-être bénéficier des stèles Non, madame Germain, pas nécessairement, monsieur Ahidjo, logiquement, puisqu'il incarne l'histoire du Cameroun, c'est le tout premier président du Cameroun. Vous savez que même sur le billet américain, il y a la photo d'un ancien chef d'État. Ce sont des signes très forts. Donc il n'est que logique, il n'est que normal que le président Amadou Ahidjo ait une statue à sa mémoire, comme on demandera aussi pour le président Biya. Même quand vous allez au palais des congrès, justement, vous voyez la photo du président Ahidjo. Donc il fait partie de l'histoire du Cameroun. Maintenant, le cas de Germain Ahidjo, c'est un cas qu'on va relativiser. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de statut de premier dans le Cameroun. Donc, dès cet instant, je demande, il n'y a même pas. Mais il y a des appels à revoir à cette condition-là par certains féministes, par certains acteurs de la classe politique nationale. Mais peut-être pour le futur, parce que la guerre déjà n'est pas étroite, peut-être pour le futur, mais déjà, il y a un problème. C'est que nous avons d'abord beaucoup d'institutions au Cameroun qui prennent beaucoup le budget. Il ne faut pas créer encore d'autres choses, on n'a pas le budget. Quand on regarde la technostructure du Cameroun en termes de richesse économique que nous produisons, le nombre de commissions, de ministères que nous avons, nous n'avons pas la capacité d'avoir tant d'organisations. Encore créer d'autres organisations fantaisistes comme ça, parce que le statut de première dame, je vous rappelle, c'est tout un budget, c'est toute une équipe qui travaille au quotidien sur la première dame. Aujourd'hui, nous avons une première dame qui est la madame Chantal Biya, qui elle ne bénéficie pas de ce statut, mais cela n'empêche pas qu'elle mène des actions qui sont sur le terrain, comme madame Jemima Ahidjo l'a fait aussi par le passé. Donc pour moi, c'est une question qui vraiment n'est pas nécessaire qu'il y ait un tel statut au Cameroun. Du coup, on sortira avec cette problématique. Le gouvernement est-il aujourd'hui favorable à ce rapatriement-là? C'est le vœu de tous les Camerounais pratiquement, même certains acteurs et membres du gouvernement le souhaitent, mais ça tarde à se mettre et à se concrétiser sur le terrain en réalité. Le premier responsable qui est M. Paul Biya du Cameroun l'a dit en 2009. Rappelez-vous, il dit clairement que il n'a jamais été et ne sera jamais opposé au retour de la dépouille. Mais que la démarche soit suivie, il y a une démarche qui est déclenchée par la famille. Et une fois qu'elle est déclenchée, alors l'État prendra clairement sa part dans ce qui doit être fait. Qui porte ce combat parce qu'il a plutôt des actes. Non, justement, c'est là qu'il se clame. Elle n'était pas la seule à porter ce combat. Monsieur Ndoko, je pense bien, du MSA a dit une chose, comment est-ce qu'elle devait revenir au Cameroun? Mais faites attention, Germain n'était pas la seule à avoir perdu ses papiers lorsqu'elle devait décider d'aller suivre son mari à la ville, qui au départ, s'il vous plaît, qui au départ, je vous en prie, permettez que je finisse. Boulo Bouba Magaré, qui est le ministre d'État, on avait retiré ses papiers, il était en exil, au Nigeria. Permettez que je finisse. Ali Mabou, il était au Nigeria, il a perdu ses papiers. Mais donc, que vous ne connaissez pas, parce que il était le particulier d'Ahidjo lorsqu'il quitte le Cameroun en tant que président de l'UNC. Et il n'est pas le seul. Il y a Amadou Hadji qui était aussi de cette mission-là. Tous ces gens que vous citez là sont au Cameroun. Les enfants même d'Ahidjo, je vous ai cité, Babette, Aïssatou, Aminatou, même les fils, tous sont au Cameroun. Ça veut dire que si jamais ils voulaient rentrer au Cameroun, elles rentrent au Cameroun. Elle était libre de rentrer au Cameroun. C'était un choix personnel. Et là, je suis d'accord avec M. Oum, quand elle dit qu'elle est restée fidèle à son époux. Mais ne dites pas qu'elle ne pouvait pas rentrer. Elle pouvait rentrer.
elle pouvait rentrer. La preuve en est qu'il y a même eu des négociations qui avaient été initiées à l'époque où Marafa est secrétaire général à la présidence de manière officielle pour faire revenir Germaine au Cameroun. Donc ne dites pas qu'elle ne pouvait pas. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est que comme le président a commencé en 90, en 2007 et en 2008 à réhabiliter les mémoires de notre histoire, à réhabiliter les Oumoubet et tous les autres, à réhabiliter Aïdjo, parce qu'il y a des décrets qui ont été pris très fort pour réhabiliter toutes ces personnes qui ont joué un rôle essentiel dans notre pays, dans notre histoire. Nous espérons donc qu'on va aller plus loin. Parce que c'est lui qui est ici et il est interpellé. Dans cet aspect, le ministre de la Culture pourrait nous construire, comme en France, un panthéon pour toutes ces mémoires de notre pays où tous ces gens-là pourront reposer. Merci beaucoup, monsieur Chaton-Langer. Je voudrais d'abord que nous comprenions que nous avons une police de plateau. Au-delà de la police, nous avons un timing pour chacun des sujets. Le sujet a largement dépassé. Non, c'est juste pour ajouter un élément important. C'est pas pour faire la polémique. Vous voulez recommencer? Les Camerounais ne le savent pas. Au départ, le président Aïdjo, jusqu'à la fin des jeux de Germaine Aïdjo, c'est la présidence de la République du Sénégal qui s'est occupée d'elle et de sa famille. Tout frais payé, c'est-à-dire logement, nutrition, tout dans sa vie, c'est la présidence sénégalaise. Et ce dossier a été géré en la présidence du Cameroun, la présidence sénégalaise, toujours dans le pouvoir de la diplomatie. Madame Germaine Aïdjo, ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas, elle n'a pas voulu, parce que les conditions qu'elle a posées d'obsèques officielles pour son mari n'ont pas été acceptées par le gouvernement camerounais, mais elle était prise en charge tout le restant de sa vie, depuis qu'ils ont quitté le Cameroun, par la présidence sénégalaise. C'est pour ça qu'il faut saluer ce pays qui a agi en bon pays frère. Le Sénégal a montré la voie qu'on peut travailler entre pays africains. Alors, très rapidement. Oui, j'aimerais juste souligner, pas tous les exemples qui ont été cités par M. Mani sont quasiment des otages de ce régime. Donc, pour tous ceux-là qui sont revenus au Cameroun, s'ils ne sont pas dans le RDPC, ils sont alliés du RDPC. Ça, il faut que ça soit su. Mais je me pose une question. C'est certes, les exigences de feu Mme Aïdjo n'ont pas été respectées, mais souvenez-vous, qu'est-ce qui est arrivé en plein Ebolova à Mme Mounier? Elle était violée, elle est assassinée. Ça, je ne m'invente pas. C'est la réalité du Cameroun. Est-ce que vous ne pensez pas que Germaine Aïdjo, n'est-ce pas, est au fait de l'actualité du Cameroun? Et ses enfants ont été violés. Merci beaucoup. On a mis un terme à ce sujet-là. Merci à chacun d'entre vous pour les contributions différentes apportées. L'État permet davantage à nos téléspectateurs de se faire une meilleure idée de cette problématique, de cette question. Germaine Aïdjo, je rappelle, est décédé dans la nuit 19 au 20 avril 2021 dernier à Dakar, au Sénégal. Elle a été inhumée le mercredi 21 avril dans ce cimetière de York, juste à côté de son époux, dans cette place qui lui avait été réservée dans ce cimetière avec la contribution, pour lui rappeler, du gouvernement sénégalais, à qui nous tenons une fois de plus à saluer la bravoure. Merci beaucoup à ce gouvernement qui a accompagné évidemment cette illustre dame-là du Cameroun qui a séjourné dans ce pays pendant de très longues années. On prend le prochain sujet qui porte sur le Tchad, hein, et notamment le décès, la disparition tragique et brutale, même subite, du président maréchal, le président réélu Idriss Déby Itno. Pour le jour, la nouvelle est tombée pratiquement ce matin-là, en mi-journée, alors que lundi soir déjà, on publiait les résultats à la chaîne nationale. Et on a annoncé grand vainqueur de cette élection présidentielle du 11 avril dernier, Idriss Déby Itno, avec plus de 79% des suffrages valablement exprimés. Comment comprendre ce qui s'est réellement passé au Tchad? Ce qui est sûr, tôt ou tard, nous saurons la vérité.
La vérité, non, c'est pour dire, il y a la réalité qui est là, que nous voyons le président devenir plus là, mais la vérité dans le sens où il y a toute une polémique autour de son décès. Certains disent qu'il n'est pas mort comme annoncé au front, certains annoncent un complot, etc. Il y a plusieurs versions. Moi, j'ai un des articles au confort de Jeune Afrique qui, même au niveau des dates, ne concorde pas. Donc quand vous voyez toutes ces choses, ça explique pourquoi il y a des suspicions tout autour du décès du maréchal Idriss Déby Nyon. Car cela ne tient pas, il n'est plus là, il n'est plus vivant. C'est un fait, nous en prenons acte. Maintenant, pour le problème de la transition au Tchad, c'est là où maintenant, j'espère que ceux qui aiment la communauté internationale, qui chantent toujours les traités internationaux, toutes ces récitations, ils voient bien les images qui se passent là-bas. Parce que moi, je suis ceux qui ont toujours dit que les Africains doivent... Avant d'arriver à ce conseil militaire de transition, Idriss Déby, que vous présentez ce personnage politique au niveau de la sous-région Afrique centrale. Idriss Déby, je dirais, il a le même profil que Kadhafi. Simplement pourquoi? Parce que Kadhafi, Idriss Déby comme Kadhafi, c'était des chefs qui avaient tout autour d'eux. Non seulement des armées, qui étaient des chefs religieux, des gens puissants et qui étaient à des endroits stratégiques sur la carte du monde, précisément la carte d'Afrique. Parce que, sachez-vous, peut-être les gens ne le savent pas, mais le Tchad est un élément clé dans la lutte contre le terrorisme dans la zone du Sahel. Ils ont mené des combats en Centrafrique, au Mali, dans tous les pays. Même au Cameroun, vous avez vu, quand les soldats du Bé ne pouvaient pas traverser la frontière pour aller pour chasser Boko Haram, c'est le Tchad qui est venu nous donner un coup de main. Donc le Tchad était un pays, Déby a réussi à faire du Tchad un pays central au niveau sécuritaire dans la zone du Sahel et même du golfe de Guinée. Maintenant que le président Déby n'est plus là, on a dit qu'il est arrivé par coup d'État. Lui aussi, il est parti, il est décédé soit au fond, soit par complot, comme certains annoncent, mais ce n'est pas le plus important. Le fait est que Déby a réussi à montrer que nous pouvons travailler dans une coopération africaine. C'est celui-là qui, lorsqu'on attend le Cameroun, comme le colonel de l'Afrique centrale, il a souvent pris les devants. Vous avez vu que même ses discours, même sur le franc CFA, il a souvent eu des discours qui sortent du cadre dans lequel on a souvent défini les chefs d'État africains, surtout de la sous-région d'Afrique centrale. Donc, Idriss Déby Nyon était celui-là qui incarnait un parcours militaire, un parcours politique. Et il avait dit, vous avez vu sa vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, où il dit, vous ne voulez qu'un chef d'État au fond, mais moi j'y vais parce que je ne veux pas que le désordre s'installe au Tchad parce que j'aime mon pays. Et c'est justement, ça prouve le degré de patriotisme qu'il avait pour son pays, le degré d'amour. Et c'est ce que nous demandons aux dirigeants camerounais. Je ne demande pas d'aller au fond, mais je leur dis d'aimer leur pays comme lui il aimait le sien. Aujourd'hui, il n'est plus là. Une autre crainte, surtout pour nous, le Cameroun, qui est un pays voisin, c'est de voir comme en Libye ce qui s'est passé, c'est-à-dire la déstabilisation de toute une zone où on va avoir affaire à des terroristes de toutes sortes. Donc aujourd'hui, le Cameroun et tous les autres pays voisins du Tchad, nous devons être aux aguets pour être vraiment très 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 attentionné au niveau de nos frontières. Pascal Moïse, autour de ce sujet, pourquoi la polémique autour du décès de ce grand homme, d'Idriss Déby Nyon, le maréchal du Tchad? Il a été consacré maréchal en 2020. Certains parlent d'une autoproclamation, d'une autodétermination, mais non pas une volonté véritable d'apporter un mieux-être pour cette population. Toujours est-il que les faits parlent d'eux-mêmes. Le Tchad ne fait pas exemple en Afrique, en ce qui concerne, du moins en Afrique subsaharienne, en ce qui concerne l'indice de développement humain et tout ce qu'il y a là autour comme niveau de vie. Bon, en fait, le président Idriss Déby qui vient de décéder, n'est-ce pas, j'aimerais ici ce que mon prédécesseur, M. Youn, vient de dire, a joué un rôle majeur dans le maintien de la sécurité de l'ordre dans la sous-région. Nous avons vu ces nombreuses incursions, punitives, antiterroristes dans la zone, notamment contre Boko Haram, dans la frange frontalière entre le Cameroun, la République centrafricaine et notamment le Nigeria. Et nous avons vu ses nombreuses interventions dans la lutte antiterroriste au Mali, au Niger, avec tous les djihadistes rebelles et djihadistes qui écument la région.
son bilan est beaucoup plus, je vais dire, politico-militaire au niveau du plan, du point de vue de la sécurité. Au niveau politique, nous pouvons décrire, enfin, peut-être pas décrire, mais nous remarquons qu'il a été un bon militaire, mais peut-être pas un bon politique, parce que déjà, engager une expulsion punitive au moment où vous attendez le résultat d'une élection et en mourir, c'est déjà pas... Il y a beaucoup de polémiques, c'est pour ça que je ne veux pas entrer dans les nombreuses versions qui... Il y a pas mal de versions. Alors, en tout cas, sur une télévision internationale, a déclaré qu'il s'agit plus d'un complot que la déclaration faite par le militaire tchadien, par le haut commandement militaire tchadien. Du moins, si on se base sur ce propos un peu avant l'annonce de son décès, on voit bien qu'il avait planifié une expulsion et qu'il se prononçait clairement sur ses intentions en ce qui concerne la version première qui a été publiée. Bon, il est temps, n'est-ce pas, que l'ordre revienne au Tchad, l'ordre constitutionnel, maintenant qu'il y a un conseil militaire de transition qui prend les rênes du pouvoir au grand détriment de la constitution. Bon, mais là, c'est peut-être un autre débat, peut-être vous allez revenir. On va y revenir dans le rêve qui suivra sur ce conseil militaire de transition qui est conduit par l'office du défunt. Mais avant d'arriver à ce conseil-là, quand on évoquait le nom du Tchad, on voyait Idriss Déby, on doit pouvoir dire que le Tchad s'est construit en 30 ans autour d'un homme, d'un individu. Ça fait 5 mandats et le 6e qui malheureusement l'a remporté, fort heureusement l'a remporté, mais malheureusement il ne pourra tenir. J'ai envie de dire ici que le titre de maréchal porte malheur. On connaît ses précédents de Fassa. Oui, Idriss Déby était un militaire et je pense qu'il a prouvé aux yeux du monde entier un bon militaire. Alors, politicien, je vais rejoindre le ami du PCRM. Monsieur Tout. Alors, en tant que politique, je ne pense pas. N'est-ce pas? Et il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Idriss Déby n'a pas toujours été tendre à la situation tchadienne, où il n'a pas été ce démocrate qu'on voudrait nous présenter ici. Alors, panafricaniste, encore moins, parce que je peux le dire, il faut l'affirmer, ça se voit aujourd'hui. Ce n'était qu'une bataille pour son fauteuil présidentiel. Il n'y a qu'à voir comment il gouvernait, si ce n'est son fils qui est chef d'état-major, le frère qui est premier ministre, ou alors le cousin qui est président de telle institution ou autre. Alors, il faut voir, il gouvernait de manière clanique. Donc, pour moi, ça, je n'appelle pas ça la démocratie. C'est 6 années d'élection aussi. Lorsqu'on tient 6 élections consécutives dans un pays, dans un climat de paix, plus ou moins, on parle de démocratie. Alors, quand vous parlez de climat de paix, il y a qu'à voir comme il est mort comme, de la même façon qu'il arrive au pouvoir. Donc, quand on parle de paix, pour consolider la paix, ce n'est pas prendre des armes et s'ériger en cow-boy dans tout le pays, non. Consolider la paix, c'est être à l'écoute de son peuple, c'est participer, c'est créer des conditions pour le développement de ces populations, pour le bien-être, pour le mieux-être de ces populations. Donc, il ne faut pas être le Clint Eastwood du Tchad pour dire « oui, j'ai ramené la paix ». Non, il n'y a qu'à voir maintenant. Consolider la paix, ça passe aussi par le respect des institutions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu, en fait, j'ai bien envie de dire ici que nos constitutions africaines ressemblent à ces papiers-là avec lesquels on nous emballe les béni haricots dans la rue. C'est carrément monarchique. Idriss Déby est mort, vive Idriss Déby. C'est la même chose. Bon, j'ai été outré quand j'entends, après la mort d'Idriss Déby, président du Tchad, Idriss Déby, non. Je dis, mais attends, c'est un fantôme ou non?
On ne peut pas parler ici de démocratie, on parlait de 6 élections. Non, il n'y a pas de démocratie, il faut avoir. Il faut pouvoir le dire, il faut que ça se sache. Les Tchadiens n'ont pas vécu toujours dans la paix. La paix, ce n'est pas avec les armes. La paix, c'est venir au bien-être des populations. Idi le panafricaniste, Idi le dictateur, Idi l'antidémocrate, c'est le point de vue de Paul Valéry sur le plateau. Modèle de cela, c'est peut-être une relation parfaite avec les pays de la sous-région, mais aussi avec le colon de la France. Idriss Déby, comme la question de l'État, c'était un acteur majeur, n'est-ce pas, dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Maintenant, ces positions sur le continent peuvent être sujet à discussion, parce qu'il faut l'avouer, vers la fin, il y a eu un grand rapprochement d'Idriss Déby avec la France, que pourtant il a eu à contester par le passé, parce que, souvenez-vous, l'opération Barkhane a son état-major au Tchad. Le G7 Sahel, dont la France se vante d'avoir organisé dans la lutte contre le terrorisme en Afrique sur le Tchad. Vous avez vu à un moment donné, la France a mis indexé notre pays de ne pas vouloir s'aligner dans le G5 Sahel parce que nous avons refusé la présence des militaires français sur notre territoire, alors que les autres ont accepté cette présence des soldats français sur leur pays. Donc, c'était un homme de lutte contre le terrorisme, ça c'est sûr et certain. Même quand notre pays a eu des difficultés à un moment donné avec Boko Haram qui venait de la Libye, il nous a beaucoup aidé. Même lorsque ce Boko Haram là est passé du côté du Nigeria pour nous attaquer, il nous a aidé également. Au moins sur ces aspects, on reconnaît qu'il a joué un grand rôle avec nous dans pour notre sécurité. Et il faut l'avouer, il faut le reconnaître sans les embâches que la mort du Déby crée un grand vide dans la sous-région. Il faut qu'on le dise de manière claire. Et cela amène donc nos États à plus de responsabilités. Parce qu'en réalité, lorsque aujourd'hui, on se rend compte qu'un individu faisait à lui seul, n'est-ce pas, l'épicentre de la lutte contre le terrorisme dans toute l'Afrique centrale. Il ne faut pas oublier qu'il avait envoyé en début 2017 plus de 1200 hommes en Centrafrique. Il avait fait de même pour le Mali, il avait fait de même pour le Niger. Cela veut dire que toute la zone ouest-africaine et la zone centrafricaine doit maintenant se poser sur l'angle de questions. C'est peut-être que le Cameroun n'est pas le pays le plus à l'aise, nous on n'a pas trop ce problème, mais n'oublions pas que sur nos voisins, tels que la Centrafrique, tels que les Nigériens sont perturbés, ces perturbations vont arriver à coup sûr dans notre pays. Et vous savez, la guerre coûte cher. La guerre coûte très cher au fond de l'État. Donc il faudrait à tout prix qu'un grand dialogue s'organise au niveau de la sous-région, aussi bien de l'Afrique centrale que de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous devons pas que le plus grand rôle joué par 10 de 17 dernières années en matière de sécurité en Afrique de l'Ouest et non en Afrique centrale. Il faut que tous ces gens-là qui s'organisent véritablement pour voir comment est-ce qu'ils vont pallier l'absence du Tchad, parce qu'aujourd'hui, le Tchad est dans une guerre interne. Et aussi une guerre qui vient de la Libye. Donc, il faut que les uns et les autres fassent toute attention et qu'ils prennent les meilleures dispositions pour venir à bout de ce terrorisme-là qui se vit sur le continent. Alors, on parle d'un Tchad qui est pratiquement dans la tourmente, hein, après la mort d'Idriss Déby. On a vu la mise en place immédiate d'un conseil militaire de transition. C'était peut-être la chose à faire. Au regard de la pression sans cesse continue des rebelles qui entendent déloger à coups d'armes le régime mis en place par Idriss Déby, même s'il est parti, on le sait, c'est son fils qui est aujourd'hui à la tête du conseil militaire de transition, le général de corps d'armée
Mahamat Idriss Déby. Justement, c'est la preuve par A plus B d'une fois de plus de la fragilité des institutions africaines. Parce que le fait qu'on dise, qu'on pense que ce soit nécessaire qu'il y ait ce Conseil national de transition dirigé par un militaire, parce que ce qui s'est passé au Tchad, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État envers la Constitution. Le président militaire a décidé. Non, je dis, c'est un coup d'État. C'est un fait. Je ne dis pas que c'est un coup d'État. Je dis, c'est un coup d'État. La Constitution du Tchad disait que c'est quoi le président comme Cameroun du Sénat qui devait assurer la transition. Je dis, maintenant, l'Assemblée nationale parle, merci. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans le contexte que vous connaissez, on est dans un contexte de guerre, et il faut agir rapidement. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale avait la capacité de pouvoir maîtriser cette situation? On peut répondre non. C'est là où maintenant on peut penser à l'hypothèse que vous êtes en train d'évoquer de la nécessité. Et c'est là où je parle encore de fragilité des institutions. Pourquoi? Parce que si on avait par exemple une institution dont nous avons fait cette proposition d'un vice-président, ça aurait changé toutes les choses. Ça aurait changé toute la donne. Parce que celui qui assure la vacance du pouvoir, en fait, il n'est pas là pour gouverner, il est là pour préparer la transition. Et préparer la transition dans un contexte de guerre, c'est très compliqué. Donc c'est d'ailleurs pourquoi le président de l'Assemblée nationale tchadienne a dit qu'il prend acte. Il n'a pas dit qu'il s'oppose, il a dit qu'il prend acte. Parce que lui-même, il voit que là, il s'agit d'un cas de force majeure. Mais prendre acte, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Ça veut dire qu'il constate juste qu'il y a un fait, parce qu'il y a un cas de force majeure. Et d'ailleurs, moi j'ai suivi Bayern de Copenhague. Pourquoi vous voulez que le président de lui soit démocrate? Il est arrivé par un coup d'État, il demande à quelqu'un qui avait le pouvoir, par un coup d'État, d'être démocrate. C'est comme ceux qui veulent créer l'insurrection. Quelqu'un qui veut créer l'insurrection, l'insurrection n'est pas une voie démocratique, il ne peut pas être un démocrate. Un démocrate, c'est quelqu'un qui s'appuie sur les têtes, sur les institutions pour arriver au pouvoir. Il n'a jamais été au pouvoir en Gambie. Son remplaçant n'est pas arrivé par un coup d'État. Pourtant, Jamil, lui, il a mis long. Il arrive au pouvoir pour un coup d'État, mais son remplaçant est arrivé par la voie de ce Macky Sall est déjà au Sénégal. Il n'a pas créé une insurrection ou bien créé un coup d'État. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui arrive au pouvoir pour un coup d'État d'être démocrate. Non, il faut être logique, il faut être raisonnable. Pour le cas, pour revenir au cas de ce Conseil national de transition, aujourd'hui, les rebelles, moi, je croyais qu'à cette heure, j'ai lu sur les réseaux sociaux les gens qui avaient déjà promis tout le calvaire du monde. Moi, j'ai cru que le Tchad serait payé l'État à cette heure. Mais je suis surpris que le Tchad est toujours là. Et je leur avais dit que le Tchad va rester un État. Parce que vous avez aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des gens, c'est comme si c'est les adeptes du mal. Ils aiment toujours quand il y a le chaos, quand ça s'enflamme. Et moi, je me réjouis de voir que ça s'enflamme pour le Tchad. Mais ce que je demande, c'est que ce Conseil national de transition tienne parole. Militaire, pas le militaire. Qui repousse les rebelles? Moi, je suis franchement contre les rebelles. Qui repousse les rebelles? Qui respecte leur parole et qui remet le pouvoir aux civils? Et voir encore l'autre chose qu'on peut dénoncer, c'est qu'on pouvait nommer une personne à la tête de ce conseil, mais ça pouvait nous perdre obligatoirement le fils de Déby. Et c'est ça qui montre encore que nous sommes toujours dans l'esprit africain de la monarchie. Soit nous acceptons la République et nous faisons avec les institutions. Soit moi, je ne refuse pas qu'il y ait le fils d'un chef d'État, même de même enfant, il n'y a pas le candidat de l'État, ça ne me dérange pas. Mais qu'il arrive par la voie démocratique, c'est tout ce que moi j'agis dans ce Conseil national militaire, qui respecte sa parole, qui mette même moins de temps que prévu, qui repousse les rebelles, qui donne le pouvoir civil pour que le Tchad puisse avancer. Alors le Tchad a besoin de stabilité, c'est aujourd'hui le maître mot, hein, la crainte majeure au Tchad. Que peut véritablement ce Conseil militaire de transition, le fils Déby être au pouvoir? Cela n'arrange pas une certaine faction de la population, cela n'arrange même pas les affaires du FACT, hein, les rebelles qui sont plus que jamais déterminés à déloger à la fois le fils, mais tous ceux qui ont travaillé avec Idriss Déby Itno. Oui, Frédéric, la mission principale actuellement, tout ce que nous pouvons attendre et le peuple tchadien avec nous, c'est du Conseil militaire de transition, c'est tout simplement la pacification ou le retour à la normalisation, à la normalité des choses. Nous voyons bien les nombreux coups de victoire qui sont donnés au régime déjà du temps du papa et du papa de vie, du père de vie et maintenant du fils. Le fait qui, n'est-ce pas, menace d'investir la capitale du N'Djamena et donc de d'investir le pouvoir, de prendre le pouvoir, de prendre en main les choses. Mais
Tout ce que nous pouvons attendre du Conseil militaire de transition, c'est tout simplement de rétablir la paix. Et le moment venu, puisqu'ils se sont donné 18 mois, de remettre le pouvoir, pourquoi pas, à un secours civil, puisque c'est dans ce sens que va la logique constitutionnelle de ce côté-là. Donc, le peuple tchadien a besoin de stabilité, il a besoin de... à ce que ses besoins soient satisfaits, il a besoin d'hôpitaux, il a besoin d'écoles, il a besoin des commodités élémentaires d'usage. Je pense que c'est la satisfaction des besoins de l'homme, des besoins humains basiques et notamment l'augmentation du niveau de vie, l'amélioration du niveau de vie de toute façon, dont les Tchadiens ont besoin en plus d'un retour à l'ordre constitutionnel. Le président français était hier à N'Djamena pour les obsèques officielles du maréchal Idriss Déby Itno. Il a pris l'engagement surtout d'accompagner le Tchad dans la sécurisation de son intégrité. Est-ce un discours de soutien et d'adoubement à ce régime militaire qui a été mis en place, ou alors simplement la volonté pour la France de préserver ses acquis et de rester le plus fort aux côtés des autres partenaires qui accompagnent le Tchad? La réponse est dans votre question, monsieur Mitterrand. Non, je pense que la France n'est pas là de manière caritative. Hein. Voilà, elle n'est là que pour ses seuls intérêts. Et je vais utiliser une métaphore ici. Il faut savoir qu'en est-il pour entrer dans votre case, ils rentrent par la fissure. La fissure, c'est le non-respect de leur propre constitution. Je parle du peuple tchadien. Donc, on n'a pas besoin d'être militaire pour diriger un pays en guerre. Non. Qu'est-ce que vous avez attendu au Tchad? Le président de l'île, le militaire annonce son décès en pleine chaîne de télévision à midi. Qu'on dise quoi? Monsieur le président de l'Assemblée nationale, prenez le pouvoir? Non. Qu'on ne le dise pas. Qu'on respecte tout simplement la constitution. Le respect de la Constitution, tout simplement. Les militaires, ils ont leur travail, défendre l'intégrité du territoire, ça c'est leur travail. Assurer la protection du Tchad, c'est leur boulot, c'est leur travail. Le président de l'Assemblée nationale, une fois que Idriss Déby, une fois que le président du Tchad, que ce soit Idriss Déby, que ce soit Mahama, une fois qu'il est décédé, une fois qu'il est en incapacité de diriger le pays, il a ce pouvoir de diriger le pays. Minimum 45 et 90 jours, organisé, et c'est lui qui fait la transition militaire démocratique. Franchement, ça ne répond à aucun terme dans aucune constitution. Je ne sais ni au Tchad ni dans aucun pays africain. Vous avez peut-être pas connaître les réalités tchadiennes. Au Tchad, l'armée reposait sur un individu, Idriss Déby Itno. Donc, on ne répondait qu'à cet individu-là, au-delà de tout. Comment imaginer que le chef militaire soit tombé, à la fois le président institutionnel soit tombé, qu'on passe, ou alors que les institutions se mettent en place dans la manière la plus simple? Mais pourquoi pas dans l'institution? Autant mieux ignorer tout simplement, autant mieux supprimer la constitution au Tchad. Oui, Idriss Déby était président du Tchad. Qu'il soit maréchal ou amiral, il était président du Tchad. Certes, c'est un militaire, mais ça ne lui confère pas. C'est pas un dieu, comme on veut nous faire croire. Disons-le tout simplement. C'est pour ça que je disais ici, on parle de panafricain, on parle de démocrate. Non, on ne parle pas d'Idriss Déby comme un démocrate. Il a eu des actions salutaires au niveau sécuritaire de la sous-région, certes, et même au-delà. Mais aujourd'hui, on voit très bien que c'était une erreur, que c'est une erreur, n'est-ce pas, de tout concentrer sur l'individu dans nos pays. Donc, il aurait fallu, n'est-ce pas, que le Tchad respecte sa constitution. Le président de l'Assemblée nationale, notre président aujourd'hui, n'est pas un militaire, mais il l'assure quand même, il fait quand même la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. On est d'accord, mais il n'est pas militaire. Dans le même contexte. Non, s'il vous plaît, on parle de guerre, n'est-ce pas? Il n'y a pas une bonne guerre, il n'y a pas une mauvaise guerre. La guerre, elle est sale. Toutes les guerres sont sales. Donc, il ne faut pas forcément être militaire, n'est-ce pas, pour gérer une crise militaire. Alors, le fait de la transition, le problème de cette transition, est-ce le fils Déby ou la transition militaire qui a été mise en place?
Je suis un peu amusé de suivre les amoureux de la communauté internationale. Ils sont les amoureux de Monsieur Macron, de Monsieur Macron, qui découvre aujourd'hui la vraie face de la communauté internationale et même de la politique française en Afrique. Parce que je suis surpris qu'il nous parle encore de la constitution, alors que c'est M. Macron, qui est parti au Tchad hier, a doublé un militaire venu au pouvoir de manière non démocratique, pas un coup d'État. Et vous avez vu tous les censurés occidentales. L'Union européenne, dans sa globalité, a même fait une lettre de félicitations au nouvel homme fort du Tchad. Les Américains n'ont même pas poussé. Personne n'a poussé. Personne n'a dit que non, ce monsieur n'est pas venu au pouvoir de manière démocratique. Personne n'a dit un mot. Et je suis surpris donc que mes amis, M. Macron, soit dans les balis, ils ne comprennent pas grand chose. Là, vous découvrez le vrai visage de vos amis de la communauté internationale. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Pour le coup, le Cameroun fait partie de la nationale. Ils s'en foutent, vos amis de la communauté internationale. Se foutent totalement de vos constitutions, de vos peuples, de vos lois. Ils s'en foutent éternellement. Permettez que vous puissiez abaffrer à votre propre constitution. Je vous ai soumis, permettez que je finisse. Ce que je veux vous faire comprendre est que le Tchad, pour ceux qui suivent attentivement l'actualité sur notre continent, est devenu la place tournante de ce qui reste de la France-Afrique. La France-Afrique s'est construite sur la violence militaire, sur la pression militaire vis-à-vis des chefs d'État africains. À savoir, si vous ne respectez pas nos directives, on vous attaque, soit en montant dans vos pays des gens qui vont vous attaquer, soit on le fait directement, comme ils l'ont fait avec Kadhafi. C'est ça la politique française en Afrique. Et aujourd'hui, ce qui reste parce qu'aujourd'hui, le continent africain est en proie à une guerre géostratégique entre différentes puissances. On vient de le vivre en Centrafrique, entre la Russie et la France. Et ça se vit dans plusieurs pays africains. Il faut lire ce qui se passe sur le continent. Vous avez les Chinois, vous avez les Russes, vous avez les Américains. Tous ces gens sont à l'affût du continent. Et ce n'est pas pour rien que Macron, en pleine crise Covid dans son pays, en pleine crise de l'endettement, parce que la dette publique en France a dépassé les 100% du PIB, en pleine crise économique dans son pays, avec le recul de son pays dans le monde, parti de 5e puissance à 6e puissance, il a oublié toutes ses obligations internationales et s'est retrouvé au Tchad sous la salade, sous la poussière, en plein jour, en le fait de dire qu'il a perdu son frère. C'est donc ça la France en réalité. Ces gens-là, ils n'ont rien à foutre de vos constitutions et tout ce que vous racontez là, c'est pour vous. Et c'est pour cela que je me réjouis qu'enfin le MRC ouvre les yeux sur leurs amis de la communauté internationale. Ces gens-là ne sont pas vos amis. Détrompez-vous. Ils ne seront jamais vos amis. La vérité est que tant que la France espère continuer à se servir du Tchad pour instaurer ce qui lui reste comme puissance en Afrique, ils vont toujours courir le premier, être le premier à féliciter, même si on montre à la télé quelqu'un qui a l'arme dans la main en train de tuer le président tchadien, la France va féliciter cette personne et lui apporter tout son soutien. Alors, une question maintenant d'aller au-delà de ces caractéristiques. Le Conseil militaire de transition est pratiquement adoubé par l'ensemble de la communauté internationale. La CEMAC, à travers Paul Biya, a adressé un message de condoléances au peuple tchadien. Et Paul Biya a envoyé sur le sol tchadien son représentant, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Etia Somo, pour donc à la fois représenter le Cameroun, mais porter aussi le message de la CEMAC à l'endroit de Mahamat Idriss Déby, qui est général de corps d'armée, 37 ans, voire 38 ans sonné. Il arrive pratiquement au pouvoir au même âge que son papa. Son papa arrive au pouvoir pratiquement 37 ans. Au-delà de cela, que peut-on attendre aujourd'hui du Tchad? Ce Tchad qui a un nouvel homme fort, un militaire,
comme son père hier, militaire. Pourtant, le Tchad est dans la perspective d'être un pays véritablement démocratique. Vous-même, vous avez dit comme son père, là, pratiquement dans le même contexte, c'est-à-dire contexte de guerre. Est-ce qu'il va faire encore 50 ans? Bon, déjà, je voudrais dire, pour le chef d'État, remarquez bien, le chef, le président Biya n'a pas envoyé le ministre des Relations extérieures. Il envoie le ministre délégué à présent chargé de la défense. C'est un signal très fort. Ça veut dire qu'il est pour la coopération militaire avant de mettre le côté diplomatique. Parce que si c'était qu'il était... En fait, ça veut dire que cet acte, bon, il fait comme tous les autres. Je prends acte, mais je n'adouble pas le coup d'État. C'est ce qu'il est en train de dire. Pas le fait qu'il envoie le ministre délégué chargé à la présidence. Maintenant, pour revenir à votre question, vous me posez la question, voir quelqu'un qui arrive dans le même contexte que son père, il est beau, il est mignon, il est arrivé au même jeune âge que son père. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est aux Tchadiens de se battre. Sinon, ils vont se retrouver encore à 30 ans, 40 ans avec le même président, comme ça a été le cas pour son père. Mais il est prêt à passer le pouvoir dans... Ça, c'est un discours, monsieur Otoumé. Monsieur Ouattara, je vais vous parler quand il parlait tout à l'heure. Regardez bien. Monsieur Ouattara, je ne serai pas candidat. Je laisse la rue à la jeunesse. Communiquez le quai d'Orsay. Bravo, monsieur Ouattara, vous serez candidat. Monsieur Ouattara, candidat, je ne vois plus qui va me remplacer. Je suis candidat. Communiquez le quai d'Orsay. Bravo, monsieur Ouattara, vous avez besoin d'un candidat. C'est le monde dans lequel nous vivons. Ce monde essentiellement d'intérêt. Le discours change entre 12h et 18h. Le discours des hommes politiques change. Ne croyez jamais à la parole d'un homme politique. Croyez en ses actes. Ce qu'il dit, nous attendons de voir. Et pour l'instant, je vous dis que tous les paramètres, demain, il pourra vous dire qu'il y a tous les rebelles. Demain, ils vont repousser 2 ans, 3 ans, 4, il va tout dire que pour les raisons de rébellion, moi, je dis... À la fin, il sera civil. Il va rester, il sera civil, devenu président, qui va aussi faire 30 ans. Et c'est ça le problème que nous avons en Afrique, justement. Ces gens qui arrivent par les méthodes non démocratiques, même l'insurrection, c'est une méthode non démocratique. Continuez à aller dire rébellion, tout ce que vous voulez. C'est la méthode non démocratique. Aujourd'hui, c'est aux Tchadiens de se battre. Malheureusement, vous avez vu, vous avez bien dit que le président Macron était là-bas. C'est un message très fort. Et il a dit une chose très importante, rappelez-vous. Personne ne va menacer les intérêts. Quand il disait Tchad, il ne parlait pas du Tchad, il parlait des intérêts de la France. Non, mais vous êtes dangereux un peu dans le monde. Non, je ne sais pas. C'est la vérité. C'est un message clair. Moi, je ne suis pas le discours anti-français. Moi, français, américain, tout chinois. Je suis amené avec tout le monde. Du moment où la campagne qui a précédé la présidentielle, même. Au Tchad, c'était un discours anti-français prôné par Idriss Déby. Vous savez, les intérêts, la politique ne fonctionne pas forcément avec ce qu'on voit. Il peut prôner un discours anti-français, mais cela ne veut pas dire que les intérêts de la France ne sont plus à la République tchadienne. Quand il y a les intérêts en jeu, tout le monde s'assoit à la table. Toujours parlant de la communauté internationale, rappelez-vous en 2003, les États-Unis voient l'ONU. Ils vont demander, ils vont au Conseil national de sécurité pour dire qu'eux, ils vont aller faire la guerre en Irak. Il y a eu le droit de veto, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en Irak faire la guerre. Donc les naïfs africains qui croient que les traités internationaux qui racontent ces récitations bon pour les enfants maternels, ils doivent comprendre que ces gens n'en ont rien à foutre. Tout ce qui les intéresse, c'est les intérêts. Et c'est pourquoi nous avons travaillé sur une citoyenneté africaine pour faire comprendre à l'Africain que ton intérêt, la France n'est pas l'ennemi de l'Afrique. Moi, je ne dis pas. La France est un partenaire pour l'Afrique du moment où les Africains comprennent quel est l'enjeu, quel est l'intérêt qu'ils ont avec la France, la Russie, la Saoudite, peu importe. Parce que ça peut être la France, ça peut être l'Angleterre, ça peut être notre pays. Chacun vient pour chercher ses intérêts. Et c'est à nous de nous défendre. Et ça passe pour une éducation citoyenne. C'est pour ça que je dis qu'au Tchad, moi, ma crainte, c'est de voir encore le successeur de Déby Itno, qui est son fils, faire encore 30 ans comme les autres. Et vraiment, ce sera malheureux pour la démocratie. Est-ce qu'on est parti pour un autre 30 ans, voire 40 ans au pouvoir de la dynastie Déby? Et si on décrit très souvent les mécanismes de prise de pouvoir par les armes ou par le torpillage des voies constitutionnelles, c'est tout simplement parce qu'on redoute ce remplissement, cette occurrence de la longévité au pouvoir.
elle n'est pas plus mal, la longévité au pouvoir. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'on vit ce type de scénario. Sauf que c'est plus... En Allemagne, Angela Merkel est au pouvoir depuis de longues années. Justement, mais sauf que c'est plus facile dans une logique militaire. Lorsque nous sommes en place, nous sommes en présence d'un pouvoir qui s'assoit sur des bases militaires. Le fils Mahamat Idriss Déby prend les scènes du pouvoir après son père. Vu la façon avec laquelle son père est arrivé au pouvoir et la façon avec laquelle lui-même arrive au pouvoir de façon aussi fortuite que étonnante, on est bien forcé de croire qu'il s'en va aussi pour rempiler, pour aussi s'inscrire dans une logique de longévité. De toute façon, rien n'est assez, rien ne nous permet d'être, on va dire, d'espérer quelque chose de moins que cela. Donc, nous sommes partis pour justement un pouvoir qui va s'asseoir sur des bases militaires non autocratiques. La logique constitutionnelle a foutu le camp. C'est ça, nous en appelons à un retour justement à cette logique constitutionnelle, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, on ne peut rien espérer. On ne peut rien espérer pour l'instant de la situation telle que se présente actuellement. Alors, si le Conseil militaire de transition venait à stopper la progression des rebelles avec l'appui de la France, du Cameroun et bien d'autres pays, n'est-ce pas là une preuve par neuf de la volonté de ce Conseil à protéger les intérêts du Tchad et du peuple tchadien? Alors, il faut déjà savoir, ce Conseil militaire de transition, pour moi, puisqu'il n'a pas lieu d'être, il faut déjà... Alors, tout le moment, il est là. C'est un fait. On ne va pas continuer à penser qu'il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être, on est dans la philosophie. Il faut sortir de la philosophie et rester dans le concret. Début, lui, il est en terre depuis hier. Précisément, c'est un fait. À la tête du pays, c'est son fils qui dirige le pays dans sa parure militaire. On l'a encore vu hier dans la cérémonie officielle consacrée à l'hommage à Idriss Déby, le maréchal. Donc, on est dans le fait. Quittons un peu la philosophie, sinon on va pas. On va pouvoir donner des concrets, des éléments concrets au peuple tchadien. Oui, ce serait utopique de penser qu'après après avoir, en guillemets, repoussé les forces de facto, ces militaires arrivés au pouvoir par putsch prendre le pouvoir aussi. Pourquoi? Ça, c'est une utopie. Vous voulez pas avoir l'intention? Non, mais bien sûr. De toute façon, vous allez me dire, la confiance, ça se gagne. C'est pas héréditaire. Aujourd'hui, on a un pouvoir héréditaire au Tchad. Hier, c'était Idriss Déby qui a fait le coup d'État contre Issa Nabré. Aujourd'hui, c'est Idriss Déby qui fait un coup d'État à la République tchadienne. Qu'attendons-nous de... C'est quasiment le même modus operandi. Je veux dire, aujourd'hui, attendre que le militaire d'hier, qui a pris les armes et qui est devenu, qui est présenté comme un super démocrate ou alors super dirigeant, aujourd'hui, du pouvoir dans les mêmes conditions que lui, rendre le pouvoir une fois que les rebelles, en guillemets, auront été repoussés. Je pense qu'on est là dans une surréalité sans pareil. Ce que je dis aujourd'hui, les Tchadiens doivent prendre leurs responsabilités en main. Les Tchadiens... Que doivent-ils faire? Prendre leurs responsabilités, cela implique quoi? Ils sont dans la rue, crier à Uyadja, nous ne voulons pas de vous, tenir des pancartes, brûler tout, casser les ambassades, qu'est-ce qu'ils font? Réclamer le respect de la Constitution. Réclamer le respect de la Constitution pure et simple. J'ai entendu tout à l'heure M. Macron, M. Mami, qui disait oui, on sera toujours là à dire M. Macron, parce que oui, des intérêts. Je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui laisse entrer Macron ou les Français dans le processus de transition ou de succession tchadien? C'est le non-respect de la Constitution. Qu'est-ce que la France a à vous dire? Si on avait des institutions fortes, et si on les respectait à 80 ou 90%, on ne serait pas à écouter les Macron ou Merkel. Non. Je veux bien reprendre le même exemple. Quand il parlait de Macron vis-à-vis du Cameroun ou de la situation de M. Kato dans les prisons de M. Biya. Non. Il aurait voulu peut-être que M. Macron laisse bien enfermer Kamto à mort comme il a fait pour Aïdjo,
qui est décédé en exil? Non, je ne pense pas. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Macron intervienne, ou qui d'autre, quel que soit le représentant occidental, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il s'immisce dans les problèmes internes d'un pays, dans les problèmes internes au Tchad? C'est le non-respect de leur texte, tout simplement. Alors, en somme avec M. Mané sur cette question, le Tchad a son destin en main, c'est ce qu'on doit pouvoir dire aujourd'hui. Idriss Déby forever, bienvenue, Mohamed Idriss Déby. Non, ce que je veux d'abord dire à mon ami Djoko, Djoko du MRC, c'est que ce n'est pas le non-respect de nos constitutions qui fait entrer la France en Afrique. Parce que la France même joue déjà un rôle dans l'établissement de ses constitutions. Il faut faire attention avec cela. Alors, dire qu'ils sont dans le jeu dès le départ jusqu'à l'arrivée. Je ne serais pas surpris même de savoir que c'est eux-mêmes qui demandent de ne pas respecter la constitution. Donc, il faut faire attention avec cela. C'est pour ça que les quelques dirigeants africains qui arrivent à dire non à cela, on sont toujours présentés dans le monde comme étant des pédicateurs, des gens qui n'aiment pas leur peuple, des sanguinaires, tout ce que vous voulez. Comme on a voulu présenter maman Kadhafi pendant très longtemps comme étant un dictateur, qui mange des enfants, qui boit le sang humain et tout ça. Et puis, autre chose également qu'on devrait bien comprendre, c'est pas parce qu'on est arrivé au pouvoir par les armes qu'on est forcément un mauvais chef d'État. Souvenez-vous bien. Kadhafi est arrivé au pouvoir par des armes, mais ça n'a pas fait de lui le pire chef d'État de l'histoire, n'est-ce pas, de notre monde. Donc, on peut arriver par des armes, mais à un moment donné, on décide de ne plus servir ceux qui nous ont amenés à ce pouvoir et à servir son peuple. Et l'exemple de Kadhafi, c'est un bon exemple. Il a décidé de servir son peuple. Je vous rappelle qu'à son temps, la Libye, les Libyens ne souffraient pas, comme dans plusieurs pays sur le continent, il a fallu que les sanguinaires s'en aillent, que les démocrates installés par la France, les démocrates installés par les États-Unis, les démocrates installés par la Grande-Bretagne mettent le pays à feu et à sang. Donc, pour bien revenir sur le cas tchadien, qui nous préoccupe plus parce que c'est un pays voisin, c'est un pays qui joue un grand rôle dans notre système, dans notre stratégie sécuritaire. Nous devons juste espérer une chose, que le nouveau régime qui est approuvé par la communauté internationale, qui arrive au pouvoir, soit par la constitution, soit par je ne sais pas pourquoi, puisse continuer dans la même lancée. Depuis, ne baisse pas les bras, et surtout que le Tchad commence à jouer aussi franc jeu avec ses pays voisins. Parce qu'il faut aussi dire que vers la fin, il y a eu un jeu un peu suspect de la part du Tchad au niveau de la Centrafrique. Alors, la relation de la Centrafrique et comme on a dit, si vous avez remarqué, tous les présidents de la sous-région d'Afrique centrale ont envoyé leur ministre de la défense. Ça veut dire ce que ça veut dire sur le plan démocratique. Et merci en particulier à ce sujet. Merci également à ceux qui nous ont envoyé déjà des SMS dans le cadre de ce programme, de ce samedi de tous azimuts sur la télévision du monde. Une troisième préoccupation nous intéresse. On revient au Cameroun pour parler cette fois-là d'une nouvelle ou d'une actualité plus guère, plus réduisante. On parle de politique et notamment de cette mobilisation des acteurs politiques pour la modification du code électoral. Sept partis politiques se sont mis ensemble depuis le 1er avril, invitant les autres à se mettre sur la même longueur d'onde, à appeler à la modification du code électoral. Et précisément, le MRC est au cœur de cette stratégie qui est désormais déployée sur le terrain, qui a connu un premier report, puis un second, sans vouloir revenir sur le fondement même de cette action. Qu'est-ce qui peut justifier ces reports à répétition pour cet appel aux contributions multiples en vue la modification de la constitution? Alors, faut dire, M. Moutoumé, que c'est une plateforme qui se veut la plus large possible. Quand je dis la plus large possible, qui va
des partis d'opposition jusqu'à la société civile, et voire même le RDPC qui est invité à la table, puisque en son sein, ou encore même l'organe inféodé au RDPC qui est l'ECAM, reconnaît qu'il y a matière à reformer le système électoral. Donc, ici, c'est plutôt des reports techniques, n'est-ce pas, puisqu'ils sont en train de faire également des propositions. C'est vrai, ça ne sera pas à vitam aeternam. Je pense qu'il y a un délai. Je pense que pour la fin du mois d'avril, les propositions sont attendues jusqu'au 30 avril, n'est-ce pas, afin de se mettre au travail. Donc, n'y voyez pas d'espèce d'incompréhension, non, c'est juste par souci technique. C'est un souci technique. Bien sûr, c'est pour les raisons de travail, de collégialité, puisque, comme je vous dis, les partis politiques sont tous attendus, les organisations de la société civile, et même les associations. Voilà. Y a-t-il une nécessité aujourd'hui de discuter autour du code électoral? Bien entendu. C'est quoi la nécessité? La nécessité tout simplement de se mettre d'accord sur les règles du jeu. Nous savons que le code électoral fait l'objet de nombreuses contestations depuis son adoption, notamment par l'opposition et même la société civile. Il est donc de bon ton qu'il fasse l'objet d'une révision, mais que révision, il y en a toujours, disons des propositions, il y en a toujours eu, mais celles-ci ne se sont jamais inscrites dans une logique consensuelle. Cette fois-ci, il a fallu que l'opposition se mette ensemble pour, du moins dans sa plus grande représentativité, se mettre ensemble pour pouvoir trouver des propositions, des points sur lesquels il faut revenir. Le président Cabral Libye en a énuméré quelques-uns. Nous avons par exemple la question de la prise de la constitution des dossiers avec parfois la non-collaboration des magistrats municipaux et ne facilite pas souvent les choses à l'approche des candidatures. Nous avons aussi les questions liées à, au bulletin de vote. Donc, vous voyez, autant de points, il y en a plein, on pourrait y revenir, il y en a plein, mais l'opposition se met ensemble pour pouvoir voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Et la question de la prorogation, c'est tout simplement dans le sens de ce que Monsieur Joko allait. C'est tout simplement parce qu'il y a un flot de propositions qui arrivent, ce qui n'était pas déjà cet engouement, c'est caractéristique de l'engouement qui habite la l'opinion publique. Alors, il y a quelque chose engouement autour de cette mobilisation, mais bien plus, est-ce que tous les acteurs politiques de l'opposition ont été appelés pour sur la même table et parler d'un consensus, même si la question du consensus reste souvent discutable? Déjà, je voudrais saluer les différents acteurs qui se sont réunis à Yaoundé pour cette initiative. Je salue tout simplement parce que c'est ce que les Camerounais attendent depuis toujours, que l'opposition puisse se réunir et parler de ce genre de choses. Maintenant que j'ai salué cela, je voudrais dire que nous constatons une lenteur. Une lenteur, pourquoi? Parce que la date qui avait été annoncée a été reportée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. J'espère que la deuxième date, on ne va pas encore la repousser. Simplement pourquoi? Parce que là où ils ont peut-être péché, je dis même là où ils ont péché, c'est le fait d'avoir associé un petit groupe, je peux le dire ainsi, qui s'est réuni et qui a dit nous devons parler code électoral. Tout le monde sait ce qu'il faut changer le code électoral. Il n'y a rien de nouveau. C'est un débat qui existe depuis plus de 10 ans. Le code électoral, c'est le code actuel, c'est de 2012, donc ça fait 9 ans qu'il est d'actualité. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Là où ils ont voulu connaître 17 modifications. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas connu. Il doit encore connaître davantage de modifications qui sont le point d'arrêt que ce groupe a soulevé. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Là où ils auraient rendu l'opposition plus forte, c'était justement en élargissant. On élargit pas en disant que nous on s'est réunis et puis on attend les autres. Non. Quand vous voulez faire une chose sincèrement, vous faites comme en 90, vous appelez tout le monde et vous dites que assis, nous discutons. Ce n'est pas que vous êtes déjà assis, vous avez déjà reparti au rôle et vous dites venez nous suivre. Non. Parce que nous allons la querelle. Non, nous ne sommes pas dans la querelle. Je prends juste acte.
Je vais dire que justement... C'est parce que vous n'avez pas été mis à la table qu'aujourd'hui vous semblez dire que les choses ne sont pas faites normalement ou dans le respect. Non, je ne sais pas parce que nous n'avons pas été mis à table. Même la société civile n'a pas été appelée. Pourtant, la société civile, c'est qui a tout au travers. Vous avez un monde à venir, vous avez reçu sur votre plateau Philippe Namna. Vous avez un code électoral consensuel qu'ils ont même proposé depuis 2017 de la société civile. Vous avez les acteurs majeurs. Moi, je suis surpris que dans un cadre comme celui-là, elle confie à M. Koupi. C'est au calibre du MLC qui a fait ça en Baka. Alors que Koupi, lui, connaît ceux qui, à l'UDC, travaillent sur ces modifications du code électoral. Sans entrer dans cette polémique, c'est pour dire que aujourd'hui, là où ils ont péché et là où l'opposition pèse toujours, c'est le fait de vouloir toujours créer des leaders et des suiveurs. C'est pour ça que ça ne marche pas. En 90, tout le monde était même dans la main et travaillait ensemble. Et vous avez vu que la société civile semble résistante à ce projet. Si la société civile semble réticente, elle-même réticente, c'est un projet monnaie. Tout simplement parce que c'est la société civile qui porte le plus grand poids, qui est la représentation des parlementaires avant même nous, les partis politiques. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que cette modification du code électoral, c'est où ça doit se faire à l'Assemblée nationale. Donc, il est question de mettre la pression au gouvernement. Et la pression au gouvernement ne va pas être mise avec 3, 4, 5 partis représentés. C'est avec l'ensemble des partis. Pour qu'ils soient à table, il faut qu'il y ait les démarches sincères, collégiales, et qu'on appelle tout le monde pour en parler. Monsieur Mani, va-t-on croire en cette mise ensemble, ce renseigner de l'opposition en modification de la Constitution? Déjà, il faut le dire, la loi électorale au Cameroun n'a cesse d'être modifiée depuis 1990. On a connu plusieurs amendements de la loi électorale. Et nous, au RDPC, il faut le dire, c'est toujours les députés du RDPC qui votent au Parlement ces multiples changements. Même lorsque c'est porté par l'opposition, il ne faut pas que les gens l'oublient. C'est pour ça que j'étais un peu stupéfait le premier jour de suivre certains leaders autoproclamés de cette aventure, avoir un ton, disons, déplacé vis-à-vis des députés du RDPC. En oubliant que le RDPC a toujours accompagné toutes ces modifications et que sans ces députés-là, vous ne pouvez rien faire. Parce que quoi qu'on dise, c'est au Parlement que la loi va être votée. Donc, ce n'est pas, c'est pas une bonne approche. Moi, du point de vue du langage que j'ai suivi de certains leaders, a dit que certains députés du RDPC sont là pour applaudir au Parlement et au Conseil. C'est pas comme ça que vous pouvez convaincre ces gens à voter ce que vous voulez qu'ils votent. Encore plus que la réforme même de la loi électorale, le débat actuel qui se vit dans les sphères politiques n'a pas commencé par ce groupement-là. C'est l'État qui, après les élections, selon ses propres prétextes, n'est-ce pas, qui prouva qu'après chaque élection, ils font un rapport général des élections et ils font ce qu'on appelle des propositions d'amendement de la loi électorale. Donc c'est l'État qui a commencé à faire ce travail en demandant aux autres, aux uns et aux autres d'apporter leur contribution pour la réforme de la loi électorale, parce qu'il y a eu des choses telles que mon ami du PSN vient de dire, il y a eu une difficulté pour plusieurs candidats, aussi bien de l'opposition, pour faire leur dossier. Vous voyez peut-être quelqu'un qui vit à Douala, qui est candidat à Douala, mais qui est à Kousséri. Vous demandez à la personne de partir faire l'espèce d'acte de naissance qui est à Kousséri pour revenir à Douala. Donc vous voyez que ça a pénalisé plusieurs candidats qui n'ont même pas pu aller jusqu'au bout. Donc pour nous, il n'y a pas sujet à débattre là-dessus. Si les propositions qui nous seront faites sont bonnes, et vont dans le sens du renforcement de la démocratie dans notre pays, ce que veut le président Paul Biya, mais le PIP est là. Mais vous voulez quoi? On suit. Maintenant, si ce qui est proposé n'est pas réaliste, n'est pas réalisable, mais on va dire non. Donc, nous, on n'a rien à voir avec ce bruit. Faites nos propositions, nous aussi, on a nos propositions. Parce que là, on peut se voir que le député n'a pas. On a aussi nos propositions. Donc, on va débattre au Parlement. Si ça va dans le bon sens, on va vous suivre.
Vous savez, dans le même sens, on vous dit que, mais, mes chers amis, ce que vous dites là n'est pas réaliste et ce n'est pas réalisable. Alors, il faut pourtant que ce soit réalisable, que cette action puisse se tenir et porter des fruits. Il y a pas mal de réticences à l'interne, même auprès des autres formations politiques de l'opposition qui ne voudraient pas être les suiveurs qui connaissent sur ce plateau, mais qu'on soit dans une logique de dynamique globale. Au-delà de cela, qu'est-ce qu'il faut fondamentalement attaquer dans le processus électoral? Alors, je tenais à revenir sur deux petits points. Déjà, quand vous dites le MRC au cœur de cette initiative... Il y a sept partis politiques au cœur. Oui. Donc, quand je dis le MRC au cœur, c'est avec les autres six, les autres formations politiques, notamment l'UMP, l'UDC, de Patricia Bardella et bien d'autres. Hein, qui L'UMS. L'UMS, qui est un peu donc, quand on est au cœur, on comprend ceux qui ont porté l'action et qui m'ont mis au devant de la scène. Non, merci d'avoir clarifié les choses, parce que j'ai cru penser que c'est ce qui avait amené M. Youm à penser qu'il y avait des leaders d'un côté et des suiveurs de l'autre. Non, il n'en est rien. Alors, cette plateforme est ouverte et je pense qu'il faut saluer aujourd'hui l'humilité de tous ces leaders. Il faut saluer leur humilité, parce que hier, je pense que ça ne pouvait pas être le cas, mais nous avons assisté à des séances de travail, n'est-ce pas, qui appelaient les Camerounais à apprendre à vivre ensemble. Il faut remarquer une chose. Après ces concertations, il y a eu une certaine accalmie, même dans les réseaux sociaux. Ça, il fait que c'est pas le même réseau social, s'il vous plaît. Je vais finir, monsieur, vous allez prendre des exemples. Si, il y a une certaine accalmie, vous avez des sympathisants, n'est-ce pas, qui se tiraient dessus. Mais le simple fait de voir un monsieur comme Tabandi, monsieur Kanto, faire une accolade, si on va appeler ça accolade, un coup de poudre, était révélateur de ce que on peut avoir des divergences de vues, des divergences d'opinion, mais s'asseoir et pouvoir travailler ensemble. Ça, c'est déjà un plus pour moi. Le fait de se dire oui, on a la majorité au même à l'Assemblée nationale, ça ne passera jamais. Il ne faut pas négliger cette minorité, cette majorité silencieuse autant pour moi, n'est-ce pas, qui demain peut vous faire. Est-ce que ces formations politiques mises ensemble ont ce qu'on appelle dans ce jeu d'intérêt, ce jeu de lobbying, la masse critique afin de pouvoir inverser la tendance? Vous savez, lorsque les Young de Black bagarraient pour, n'est-ce pas, même seulement la liberté d'expression au Cameroun, ils n'avaient pas de majorité à l'Assemblée. Hein, quand ils bagarraient pour un renforcement de la démocratie au Cameroun, ils n'avaient aucune majorité à l'Assemblée. Ça, il faut le dire. Mais pourtant, ils ont fait avancer la démocratie. Donc, ne pensons pas toujours qu'il faille avoir cette majorité obèse à l'Assemblée pour dicter, pour faire un dictat à la majorité de la population. Non. L'initiative prise par ces acteurs politiques est louable, n'est-ce pas? Que ce soit le secrétaire de l'UDC qui appelle M. Sambaka, franchement, je pense qu'on devait tous afficher une certaine humilité. On n'attend pas que ce soit M. Cockpit qui soit en train d'appeler, C'est pas une affaire personnelle. Hein. Ben, justement, puisque vous semblez dire ici. Non, c'est juste un exemple. Vous semblez dire ici que ce serait peut-être l'honorable Tabalibi qui aurait dû appeler Sambaka. Non. Tout le monde a été appelé à participer, tout le monde a été appelé à porter ses propositions. Donc, il est hors de question qu'on dise que la société civile a été mise à l'écart. C'est faux, il faut le dire aux Camerounais. Tout le monde a été invité. Je n'ai pas dit qu'elle a été mise à l'écart. Je dis qu'elle n'est pas impliquée. Je ne veux pas dire qu'elle a été mise à l'écart. Vous m'avez expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire. Il fallait se rendre au siège de l'AFP. Je veux savoir. Pas du tout. Alors, il faut leur poser la question. Qu'est-ce qui empêche alors l'AFP de participer à cette plateforme de travail sur la révision du système électoral? Rien du tout.
Hein, je pense que M. Manga, dans mon avenir, ne pas trouver un intérêt tout de suite à y participer, mais je pense que lui aussi a été consulté, surtout qu'il a, travaillé déjà dessus. Il a même déjà un prêt à. Alternatif qu'ils ont proposé. Il y a déjà un prêt à l'emploi qu'il a proposé et qui même peut juste être relayé par la plateforme, pourquoi pas. Donc il ne faut pas penser que ces acteurs politiques se sont réunis pour un quelconque leadership. Non, salon l'humilité qu'ont eu tous ces présidents de partis politiques, n'est-ce pas, et essayons de faire avancer. Pourquoi pas voir naître demain une coalition autour de ces acteurs politiques, n'est-ce pas, pour la conquête du pouvoir demain. Il faut la conquête du pouvoir, mais on a évoqué la problématique de ce consensus-là. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le terme, le vocable consensus? On le sait, il est difficile d'obtenir un consensus lorsqu'on a des idées suffisamment divergentes. Et sur la question de ce code électoral, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce qu'il y a lieu de modifier et ce qu'il y a lieu de rajouter. Tout le monde n'est pas d'accord, je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que, comme M. Yung vient de dire, la question du code électoral et les nombreux amendements qu'il a apportés ne souffrent plus d'aucun. Il n'y a plus aucun secret. Tout le monde sait ce qu'il y a à revoir. Sauf sur le code électoral. Le code électoral, c'est une vieille affaire. J'insiste encore sur le terme consensus. Justement, ce ne sont pas les propositions qui manquent ou qui ont souvent manqué, mais c'est souvent le fait, c'est plus le fait que la dynamique du consensus. Les 7 propositions qui ont été faites un peu de façon unilatérale par chacun ici, la société civile qui envoie, telle ONG qui envoie, telle partie qui fait ses propositions. Et il fallait mettre ensemble toutes ces propositions. C'est dans ce sens que la plateforme va. Donc, ceux qui traînent le pas, ou alors ceux qui estiment qu'ils n'ont pas été impliqués, je ne sais pas dans quoi ils mettent le sens qu'ils mettent dans l'expression n'avoir pas été impliqué, c'est l'occasion, n'est-ce pas, si cette provocation qui est faite de plus en plus, une fois, deux fois, c'est l'occasion pour eux de venir avec leurs propositions et de voir dans quelle mesure il faut l'impliquer et en discuter aussi. Je suis convaincu. La tête du PCRM, dans la 7 du consensus, dans la 7 de la modification du code électoral, L'appel était public, puisqu'il y a eu un communiqué public, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé là. L'appel est public, donc ce n'est pas seulement le PC. Mais pourquoi vous êtes exclu? Non, je n'ai pas dit qu'on se sent exclu, j'ai juste rappelé le contexte et les faits qui sont là. Et je ne suis pas sûr que si le PCN n'était pas là, on aurait eu le même discours. Et quand j'entends ici dire, sur ce plateau que sur les réseaux sociaux, ça s'est calmé, mais je ne sais pas si c'est le même réseau sociaux sur lequel nous sommes. Votre premier vice-président a attaqué froidement le président du PCN. Et on a soulevé cela qu'à un moment où l'opposition est rassemblée autour de la question au cours des toits, certains ne peuvent pas se donner le luxe d'attaquer en plus pour ça dit le président de votre parti, non, on dit le président de votre parti qui attaque de manière violente le président de votre parti pendant que nous sommes dans la plateforme. Vous voyez le président s'assurer, c'est justement les erreurs que nous commettons à l'opposition. Donc on est dans moi-même qui suis ici, vous avez vu le buzz que quelques desperados et puis de buzz et toujours dans l'oisiveté ont publié sur moi. Que j'appartenais au parti de Jamen. Quand, et c'est ça, c'est camarades. Quand vous voyez, non, ce sont mes noms. Non. Le Saint-Doko, ce sont les camarades. Ils sont connus, ils ont fait avec leur compte. Tous sont connus comme vos camarades. Quand vous posez un tel acte, et que vos responsables du parti, un de vos responsables du parti régional, il a distillé dans les groupes. Je lui ai posé la question, quand vous, en tant que responsable, vous disiez une désinformation sur un cadre de l'opposition, comment voulez-vous que demain on s'asseye à la table ensemble quand c'est vous qui faites cela? Parce que pour dire que ces gens-là, je ne dis pas ça pour faire mal à ceux qui sont à la plateforme, c'est pour dire que c'est les choses sur lesquelles nous devons veiller. Je dis que si nous voulons une modification du code électoral, on va d'abord laisser ces gens-là de petits coups qui ne servent à rien. Et pour chuter, je vais dire, RDPC n'a jamais rien proposé, quoi que ce soit dans ces pays.
Les projets de loi viennent du gouvernement. Attendez, je n'ai pas dit qu'il n'est pas du RDPC. Ailleurs, même quand il y a le gouvernement du parti, il y a les députés de ce parti qui font les propositions de loi. Le RDPC n'a jamais rien proposé. Sauf que l'électorat, rappelez-vous, quand il y a eu la première mouture, que c'est sorti, les militants de l'élection étaient meilleurs que l'électorat du monde. Il a suffi que le chef de l'État dise qu'attention, ici là, il y a des modifications à faire. Les mêmes gens sont revenus deux semaines après pour dire que le chef de l'État a raison, que l'électorat est mauvais, il faut changer. On ne peut pas avoir les gens qui ont des positions changeantes matin, midi et soir et dire qu'ils n'ont rien à proposer. Les propositions d'accord. qui vont arriver vont venir de l'opposition. Et je vous ai dit que cette affaire du code électoral, au-delà du jeu électoral politique, c'est d'abord un aspect social. Parce qu'il s'agit, c'est même pas c'est tout le processus électoral qu'il faut voir depuis la nomination des membres du conseil électoral, du directeur, il y a toutes ces choses qu'il faut voir. Et dans, après la convention de la FI, nous allons faire une proposition claire et nette sur les modifications à faire au niveau du processus électoral. Alors, voilà les propositions, d'autres propositions qui viendraient, qui peut-être ne feront pas partie du bloc mis en place par l'opposition ou certaines oppositions, parce qu'il faut rappeler que l'opposition est fortement divisée sur cette question de ce rassemblement ou alors de se renseigner en vue de la modification du code électoral. Certains estiment qu'il y a des grands partis ou des leaders qui doivent être en avant et d'autres doivent suivre la barre. Pourtant, tous devaient être sur la même table pour discuter à UIADIA de savoir ce qu'il y a de modifié. Est-ce que le RDPC qui reste très loin de cette mobilisation peut y apporter des contributions, peut-être même soutenir ce projet ou cette mouture en vue d'une discussion plus large dans les ans les plus appropriés, notamment à l'Assemblée nationale et puis au Sénat? Moi, je me réjouis d'abord d'une chose, que sur ce plateau, enfin, les gens qui nous disaient qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun avouent pour une fois qu'il y a eu des avancées démocratiques portées par l'opposition. J'ai suivi mon ami du MRC dit qu'il y a eu des avancées qui ont été portées par l'opposition, donc on a eu une avancée démocratique. Vous voyez, le discours évolue déjà, c'est une très bonne chose que j'applaudis de mes deux mains. Maintenant, pour revenir sur le code électoral, vous savez, moi, je suis un peu dubitatif avec toutes ces choses-là. Et puis, le RDPC n'a jamais été contre les réformes qui visent à accélérer notre processus démocratique. Et il m'a dit là tout à l'heure, le RDPC n'a pas proposé. Vous n'avez pas proposé. Non, vous n'avez pas dit qu'il n'a pas proposé. Celui qui va voter, celui qui voilà. qui fait la loi, nous avons voté. Bien tant c'est venu de vous que c'est venu même du gouvernement ou bien du président de la République. Elle on a pas décidé de le faire. Maintenant, on dit une chose fondamentale. Le problème de l'opposition n'est pas un problème de code électoral ou de loi électorale. Souvenez-vous, l'opposition de notre pays fait ses plus beaux scores lorsque c'est les ménages qui organisaient les élections. C'est pas quelque chose qui s'est passé dans 2000 ans. Je n'ai jamais suivi un parti d'opposition remettre en cause le code électoral là où il gagne. Là, l'opposition gagne, le code électoral est parfait. Le système, il est très bon. Mais là où il fait, le code électoral n'est pas bon de ce côté. Mais j'ai même code électoral qui s'applique partout. Justement, c'est ça que nous devons comprendre. Pourquoi lorsque le PCN gagne dans le monde, le code électoral est bon dans le monde, mais quand il perd dans le voulu, je vous en prie. Mais lorsque vous perdez dans le voulu, c'est mauvais. Non. Soyons des gens sérieux. Et c'est pour ça que je vous en prie, je suis dans l'ironie en réalité. Du moment de vos réalités, que vous ne pouvez pas me dire que le code que vous faites lire dans l'écrit est bon là-bas, mais il est mauvais dans le voulu. Non, c'est que. Permettez qu'elle finisse. Vous êtes fou à avoir dit la même chose. Imaginez un peu ce que j'ai dû subir. Lorsque vous étiez en train de parler de vous, des choses qui n'ont même pas de sens. Permettez que moi aussi, je prenne des quelques secondes pour que je pense. Non, Alors, rapidement, ce dont souffre notre position, c'est justement ce que vous voyez sur ce plateau. Donc, notre position souffre à être de trois incapacités. La première capacité, c'est la capacité à convaincre. Lorsque M. Ndioko vient vous dire sur ce plateau qu'on doit
aller amender le code électoral. On doit pas faire le code, on doit pas faire le code électoral qui n'est pas bon. Mais ça fait deux ans. Son candidat, ils ont gagné, la présidentielle avec ce code, électoral. Lorsque M. Djoko vient vous dire qu'on doit modifier le code électoral, donc on sait que la suite, ça sera de Dieu, Jean, allez vous inscrire pour aller voter et que son parti a dit, ils ne vont pas aux élections. Ils vont convaincre qui? Lorsque j'ai vous dire que un pays n'a pas de choix, deuxième incapacité. Incapacité à mobiliser. Vous voyez comment ils sont. Elle dit que chacun d'entre eux fait tout pour son leader. Pour lui, c'est Taba le leader. Lui, c'est Kamto. Lui, c'est Sambaka. Vous pensez donc que lorsque vous suivez ce qu'elle est, c'est parce que son leader n'était pas là. Si Cabral n'était pas à cette rencontre, sans monsieur, vous aurez dit autre chose ici. Il vous aurait même dit que cette plateforme-là, c'est du n'importe quoi. Et dernière chose, ils ont une incapacité à se renouveler. Renouveler en idées et en personnel politique. Quand vous regardez notre opposition, ils font pire que ce qui repose au RDPC en matière de renouvellement politique. Merci beaucoup. Sans bataille d'un parti dans combien de temps? Là n'est pas la question. Les mêmes gens reviennent chaque année avec le même verbe. Ils sont contre, ils vont de plus. Merci beaucoup, M. Mamie, pour cette autre réponse. Merci beaucoup. C'est ça votre problème. Alors, je voudrais vous rassurer qu'il nous reste à peu près 10 minutes, le chrono en masse, c'est ce que nous fait savoir la réalisation. Il reste très peu de temps pour pouvoir tenir la dragée. C'est à peu près 15 minutes pour la fin de ce programme. Il nous reste un sujet. Nous avons également le SMS des téléspectateurs qui nous accompagne dans le cadre de cet échange de ce samedi après-midi sur la télévision du monde. Je rappelle que nous sommes en train de discuter autour de plusieurs thématiques. Déjà, on a parlé du cas Germaine Ahidjo, décédé à Dakar au Sénégal, c'était le 20 avril dernier. Nous avons évoqué le décès également du maréchal Idriss Déby Itno, le président du Tchad. Nous venons d'évoquer la question de la modification du code électoral portée par certains partis politiques de l'opposition. Cela semble divisé. On parle de consensus autour de ce code électoral, mais pourtant on est bien loin du consensus au sein même de la famille de l'opposition camerounaise autour de cet idéal de modification du code électoral camerounais, mais tout de même les contributions restent attendues pour le 30 avril 2021 prochain, selon la déclaration faite par le porte-parole de cette plateforme de partis politiques d'opposition, Madame Patricia Toumaino Ndamjoya, qui est par ailleurs le maire de la commune de Foumba. Elle précise que le comité technique ou alors le secrétaire technique continue de travailler pour la réception des contributions. Même si le délai, le tout dernier délai est le 30, on va continuer à recevoir les contributions si jamais celles-ci venaient à continuer à être émises à l'endroit de cette modification de ce code électoral-là. Alors, on va poursuivre avec le dernier sujet sur la table du débat cet après-midi. On parle des droits de l'homme au Cameroun. Un dernier rapport produit par Stand Up for Cameroun parle de nombreux dysfonctionnements autour de la problématique des droits de l'homme. Que pense le PCRN autour de la question des droits de l'homme? Le Cameroun est-il un État dans lequel ces droits de l'homme sont respectés? Nous pensons que les droits de l'homme sont... Le respect des droits de l'homme est d'abord un processus. Nous ne pouvons pas faire table rase de ce qui a déjà été fait en termes d'avancée au Cameroun. Il y a eu certes des avancées. Depuis au moins l'indépendance, nous avons vu, nous pouvons facilement faire le distinguo entre le régime du président Ahmadou Ahidjo de 60 à 82 et celui de M. Biya depuis 82. Il y a certes des avancées en termes de liberté d'expression, en termes de souci de droit d'association et autres. Mais il y a beaucoup d'éléments à ajouter, il y a beaucoup d'éléments à ajouter, il y a encore beaucoup d'éléments qui portent à croire que les droits de l'homme ne sont pas encore pleinement respectés ou garantis au Cameroun, malgré ce que nous clame le préambule de la Constitution. Donc, au PCR, nous pensons qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter, et c'est dans ce sens certainement que
va le rapport qui a été publié par Stand Up of Cameroun. À Stand Up of Cameroun, je guette une organisation de la société civile qui observe d'une certaine façon la problématique des droits de l'homme. Elle estime, cette organisation estime qu'on est bien loin de la réalité au Cameroun. Tout va de travers, rien n'est véritablement respecté, les arrestations abusives sont légion, davantage les interdictions des manifestations publiques également sont le lot quotidien des partis politiques. Que pense justement le MRC et quelle est désormais l'approche qu'il faudrait émettre autour de cette question des droits de l'homme? Alors, vous faites bien de poser ce débat sur la table parce que ça c'est une épine dans le pied de ce gouvernement. Voilà. Nous avons au Cameroun actuellement une justice à géométrie variable. Voilà. Selon que vous êtes de tel parti politique ou de tel camp, vous avez droit à un traitement particulier ou alors au pire des traitements qu'il soit dans ce pays. Je veux revenir sur l'expression employée par M. Tou tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il y ait une liberté d'expression au Cameroun. Non, chaque fois que nous nous exprimons, je parle pour nous, hein, je laisse les autres, chaque fois que nous voulons nous exprimer, alors nous avons soit droit à des enlèvements ou à une répression sanglante, il faut le dire, parce qu'on a des amis, j'ai des camarades qui, juste pour avoir marché, et j'ai assisté à ça, juste pour avoir marché, se sont retrouvés soit avec des fractures ou des commotions ou encore des pertes en vies humaines, c'est il faut le dire. Et juste pour vous parler même du 22, il y a eu un mois, souvenez-vous, c'est avec ça. Seulement, c'est des. Je parle de lié à la marche du 22 septembre 2020. Nous avons eu un moral de petit. Je vois pas son nom. Nous avons trouvé la marche de petit. Je vous promets de vous apporter son nom la prochaine fois. Dites-moi que ça. Si cela m'échappe aujourd'hui. Alors, mais je peux aller encore citer. Vous avez Sangako qui croupit à la prison de Nouvelle. Vous avez Bibounissa qui est au CERF. Qu'est-ce qu'il a traduit? Que, effectivement, il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. Il n'y a pas de liberté d'opinion. Le simple fait de penser différemment, n'est-ce pas, de l'organe dirigeant ou envers ce régime, le simple fait d'apporter une critique dans la gouvernance de ce pays, vous rapproche davantage soit des camps de concentration ou alors des prisons de ce régime. Donc, pour dire, on a encore du chemin à faire. Il faut réformer notre constitution. Il faut réformer la justice. Quand vous n'avez pas une justice saine dans un pays, il est difficile d'avoir la démocratie. C'est quasiment impossible. Donc aujourd'hui, il faut que la justice au Cameroun soit impartiale, n'est-ce pas? Il faut qu'elle fasse publicité ou de ses décisions ou des arrestations qu'elle autorise. Parce qu'on a, je vais citer ici, là, même les journalistes... même les journalistes ne sont pas épargnés. On a le cas de Samuel Ouazizi qui a été enlevé et il a fallu qu'il soit mort pour qu'on sache qu'il était même en prison, pour que l'opinion camerounaise sache qu'il était en prison. Ça relève d'un état qui dirait dictatorial. Donc, on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, dans un pays, à penser qu'on peut avoir une liberté d'expression alors même que nos droits les plus fondamentaux sont bafoués. Alors, les droits les plus fondamentaux semblent être bafoués, rien n'est dans la norme. Mani, pourquoi alors est-ce une idéologie qui vise davantage à ne pas respecter ces droits, pourtant reconnus, adoubés, validés par la Constitution camerounaise, introduits dans cette Constitution, faisant des règles supranationales? Bon, déjà, il faut d'abord préciser une chose. Stand Up of Cameroun n'est pas une ONG. Il faut qu'on le dise d'abord. C'est une vérité. C'est une association d'hommes politiques, de leaders politiques de l'opposition qui, pour avancer certaines idées, se sont organisées en ONG. Quand on parle de Dita Wala, quand on parle de mécanismes comme les consorts, nous vous en prie, ce sont des figures politiques de notre pays. Quand on parle de ces consorts, ce sont des hommes politiques. Vous savez, ce qui est mauvais dans notre pays, c'est que les gens jouent à saute-mouton.
aujourd'hui politiciens de notre société civile, à force de même pas dans quoi est-ce qu'ils font exactement. De un. Maintenant, dans leur rapport, moi, la question que je pose d'abord, quelle est leur référence? Lorsque vous voulez comparer des choses, il faut d'abord avoir une référence. C'est quoi leur référence? Monsieur Jacobi, il a fait une très belle dissertation là, qui était très belle à entendre, mais dans le fond, il y avait rien dedans. Aux États-Unis, qui, comme vous devez nous présenter comme notre modèle absolu de ce bateau quoi, des gens sont partis au Capitole, comme M. Trump a demandé à ces gens de se révolter contre les institutions. C'était comme on a fait ici. Demander aux gens de se lever contre les institutions. Vous connaissez combien les gens sont en pouvoir là. Il y a eu des morts au Capitole filmés, tués par la police américaine. Non, à un moment donné, il faut savoir de quoi est-ce que vous voulez parler exactement. Vous nous parlez de on dit c'était un terroriste. La semaine passée, l'armée française au Libye en a tué 19. Je vous en prie, 19. Et lorsque la société civile et l'ONU ont demandé des comptes à la France, vous avez suivi ce que Macron a dit, il ne répond à personne de leur déploiement militaire en Afrique. Et vous voyez dans ce plateau, sans référence, sans rien, vous débutez les choses, non seulement. Sandel Foucault de la Massa, là, ce n'est pas ONG, c'est une association de dons politiques. Et de deux, ils sont dans leur logique politique, à savoir pour la mal. Je suis d'accord sur un fait, comme l'a dit mon ami du PCRM. Il y a que les droits de l'homme, les libertés et consorts sont des processus qui parfois peuvent régresser selon les situations. Parce que même en temps de crise, il y a des choses que l'on permet en temps de paix, que l'on ne permet pas en temps de crise. Oui. Comme aujourd'hui, c'est la crise de la pandémie COVID-19. On empêche les gens puissent se rassembler autre, parce que c'est une crise. Mais je veux dire une chose. C'est qu'au Cameroun, on veut prendre la parole comme sur ce plateau, en respectant les règles de la démocratie. On peut parler comme vous parlez là. Ceux qui dans ce pays ont voulu marcher en respectant les règles de la constitution telles que c'est prévu, ils ont marché en toute liberté. Vous ne pouvez pas demander aux gens de sortir pour renverser les institutions et de nous parler des droits de l'homme. Ça, c'est du politisme. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour qu'on se retrouve dans un état véritablement où ces droits sont respectés, où on a la possibilité de faire des manifestations, on a la possibilité de réclamer, de revendiquer et d'obtenir une justice juste et équitable. Le premier problème des droits de l'homme au Cameroun, c'est d'abord la justice. Dans un pays où la justice est accusée comme l'un des corps, si c'est le premier ou le deuxième corps le plus corrompu, on met déjà les droits de l'homme en péril. Parce que si vous avez un problème, vous ne pouvez pas rentrer dans vos droits parce que la justice est corrompue. Deuxième élément, il y a la violation des droits quotidiens au quotidien. Vous avez les abus des autorités, vous avez l'abus même des forces de police sur les citoyens au quotidien, qui sont les actes qu'il faut condamner, qu'il faut sanctionner. Le Cameroun n'a jamais et jamais, jamais été bien positionné dans aucun standard, que ce soit national ou international, en matière des droits de l'homme. C'est la plus nouveauté. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de se poser la question pourquoi le Cameroun n'arrive pas à respecter lui-même, même ses propres tests, même la condition de notre pays, on refuse de l'appliquer. Prenez le cas de l'article 66 et tout le reste, j'en passe. Tout simplement parce que nous n'avons pas la culture, en tout cas ceux qui sont aux affaires. Les pétains manient lui parle parce qu'il a passé l'autre génération, mais c'est que dans son parti, il ne peut même pas se lever, dire là-bas à quelqu'un que toi, je veux ta place. Et la personne a cette manière démocratique. Parce que ces gens, ils n'ont pas la culture de la démocratie. Et je ne peux pas leur en vouloir. Quand vous êtes né à l'époque de 1930, 1940, mais il n'y avait pas de démocratie à cette époque. Vous avez grandi avec une autre idée du monde. Et on n'est pas venu, les Africains n'ont pas demandé la démocratie. On est venu, on a découvert la démocratie. Prenez, on vous donne. Celui qui le prend, on coupe la tête. Donc moi, je me comprends l'esprit. Moi, je me bats pour ma génération. C'est pourquoi j'accepte de dialoguer avec tout le monde. On dit que j'ai des amis partout. Je dis oui, je suis un homme politique qui construit le pont. Moi, je ne construis pas les digues. Que je sois dans le pouvoir, que je sois dans l'opposition, moi, je construis le pont. Et les ponts
donc ça passe par le dialogue, parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Et vous allez voir que dans 20 ans, cette question du droit de l'homme, si nous sommes à nous asseoir, à débattre, à penser au Cameroun et à même l'intérêt du Cameroun avant, cette question du droit de l'homme, vous allez voir que nous allons les résoudre, parce que nous allons non seulement nous respecter entre nous en tant qu'individus, en tant qu'être humain, et il n'y aura plus ces problèmes au Cameroun. Merci beaucoup à vous tous, messieurs, d'avoir contribué à ces échanges ce samedi après-midi, le temps de SMS. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît, pour le représentant du RDPC, ne volez pas les militants de l'UNDP. Monsieur Mouhamadou Aïdjo, fils de l'ancien président du Cameroun, était maire UNDP et il est membre du bureau politique de cette formation politique, je rappelle, qui est de la majorité présidentielle. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Biya a déclaré qu'il était le meilleur maire de la France. Il ne faut jamais l'oublier. Par ailleurs, Monsieur Déby a été assassiné, c'est ce que dit ce téléspectateur, à cause de sa longévité au pouvoir. Longévité au pouvoir, c'est ce que dit ce téléspectateur également. Bonsoir à vous sur le plateau. Grand respect sur ce plateau-là. À propos de Germaine Aïdjo, je ne me prononcerai pas sur le sujet, à part de sincères condoléances à la famille Aïdjo pour la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Oui, c'est une grande perte pour la sous-région. Pour l'Afrique, il a fait un travail remarquable au niveau de Kousséri. Maintenant, au niveau politique, malheureusement, on assiste toujours au scénario habituel en zone CEMAC, s'accaparer du pouvoir, y mettre long jusqu'à ce que mort s'en suive et se faire succéder par ses enfants. Il n'était pas obligé de faire un sixième mandat. Et en dépit de tout, il reste un grand homme. Concernant la modification du code électoral, il faudrait faire plus que ça, que les partis politiques de l'opposition s'unissent vraiment pour faire face au parti obèse RDPC, avoir un bulletin unique, et que les CAM nous laissent surveiller nous-mêmes à les élections. C'est Achille Aimé qui nous a envoyé sa réaction dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau, qui vous fait croire que le MRC veut le consensus. C'est une question qui accompagne cette autre SMS. Le MRC est là pour faciliter la tâche au rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, est-ce que lorsque le MRC sera au pouvoir, il laissera l'État de non-droit à prospérer? C'est Mohamed qui nous envoie sa réaction dans le cadre de cette émission. Autre réaction, bonsoir. La France n'a que des intérêts à protéger. Pardon, il va plus loin en disant que peut-être bientôt le tour du Cameroun dans les jours et mois à venir, ce qu'on ne souhaite pas. On souhaite toujours qu'il y ait la paix et la concorde au Cameroun, avec bien évidemment cette diversité culturelle qu'on observe ça et là, qui permettent au Cameroun de toujours se porter mieux. Bonsoir à vous sur le plateau. Le peuple a marre du système qui a été mis en place. La confiance doit rester républicaine. Les méthodes doivent considérablement changer, mais je doute très fort de la capacité de cette opposition à faire bouger les lignes. Il s'appelle Bruxelles et il nous écrit de Malabo cet après-midi. Bonsoir. Cet autre testateur nous écrit depuis Cotonou au Bénin. Il nous dit il est cagmi. Il pense d'ailleurs que le militant du RDPC parle avec beaucoup de mépris à l'endroit des Camerounais, que le RDPC n'a jamais conquis quoi que ce soit. Ils ont tout hérité des 6 circonscriptions électorales laissées par le parti unique. Puis ils font chanter les administratifs et du coup, tous œuvrent pour la continuité du parti unique RDPC. Mais sachez-le, l'heure du changement finira par arriver tôt ou tard. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Qui a dit que l'opposition est ensemble? C'est une opposition qui cherche également à se positionner. Suivez mon exemple, Jean de Dieu Momo, dans le cadre de cette contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Félicitations à vous tous, surtout au RDPC et à M. Paul Eyoum. Le MRC et le PCRN n'auront que leurs yeux pour pleurer le moment venu. D'autres SMS continuent d'arriver, mais le temps
un parti à ce programme va arriver à son terme. Merci à vous tous, messieurs, d'avoir contribué. Le RDPC, Anissa Duprix Mani, le PCRN à travers monsieur Pascal Moïse Touk, qui vient de la circonscription de la 5e, je pense bien. Bien évidemment, Paul Valérie Djoko du MRC et Paul Eyoum, notre Paul sur le plateau, lui, nous vient de l'AFP, qui est en train, bien évidemment, de se mettre progressivement en place. Je rappelle que Paul Eyoum est un démissionnaire de l'UDC pour l'AFP. Mesdames et messieurs, c'était tous azimuts de ce samedi. Prenons l'angle la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. 15h-17h, de nouvelles thématiques, mais également de nombreux nouveaux invités. Quant à moi, je donne rendez-vous pour l'édition du 19h45 sur la télévision du monde. Mais d'ici à là, portez-vous bien. Bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.